Mesdames et messieurs, je suis heureux T'inquiète de pas. vous annoncer que je lance mon direct. Pourquoi? Parce que le jeu s'est installé. Je vais le configurer en direct devant vos yeux. Alléluia. 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 Non, en fait, on s'en fout. Bonjour les gens. J'ai le Bonjour. facteur. Livré. Ah Ah bah attends, mince. bah écoute, moi j'attends un colis par contre. J'ai plus d'explosifs. Ah non! Quoi? Oh. Je vais vous mettre mon signal, vous allez comprendre. Alors que je m'en étouffe. Alors, en fait, le jeu me dit attention, votre système ne répond pas aux caractéristiques minimales requises. Non, c'est une connerie, ça. Ah bon? Oui. Oui. Il m'a Ah, fait la c'était une même. blague. Ah d'accord. Ah, est-ce... Non, non, c'est une tromperie. Est-ce Tu que peux y t'as aller. bien... Est-ce que t'as bien une seule carte graphique? Non, j'en ai deux. Et c'est la Ah, meilleure qui c'est... tourne pour Windows, évidemment, pour le jeu. Je me garde la Ok. meilleure. Moi, je garde la petite D'accord, pour donc... bosser. Ça me Ça suffit. tourne bien sur la cam... la... C'est la meilleure carte graphique, parce que dans... Ok, je Alors, fais ça ma dans les meilleure images. carte graphique, je retiens jamais, je vais te la redécliner. C'est une Nvidia 1050. GeForce GTX de 1050. Bonjour Ouais. Oui, mais là, oui, Christina. je savais, mais est-ce que le jeu l'a Bonjour bien pris en Christina. compte? Tu devrais pas Ah avoir de oui, il est problème là obligé. normalement. Parce que Ah la oui. petite, normalement, est désactivée dans mon Windows. D'accord, donc, ok, si c'est désactivé, c'est que ça forcément. Mais lui, peut-être qu'il peut-être lui qui détecte les deux et que c'est pour ça qu'il met le message. Oui. Non, 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 moi il me l'a mis alors que j'ai qu'une seule carte graphique. Ah là, il me reconnaît la Il 1050. m'a dit la même chose pour une 3060. Mais non, non. Ah, ok. Tu... Ok. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Comment ça, Alice? Ça tournait déjà avec la Quelque 980, chose de alors... ce type, oui. Alors, Sur une pardon, je dois CD. expliquer à mon public que j'ai été vilain. Il y a deux versions de Borderlands et évidemment, j'ai installé et préparé la mauvaise. Donc, du coup, je recommence tout en direct. Veuillez m'en excuser. Et vous voyez pas ma frimousse aujourd'hui parce que je suis pas frais. Je suis. Ouh! Un petit peu Il est barbouillé. pas frais, mon poisson. C'est ça. Pardon. Ah oui, désactiver la musique pour le. Eh, c'est bien, ils ont pensé à désactiver la musique pour le direct, histoire de pas se battre avec les droits. C'est bien. Ce que j'ai pas fait. On pourrait pas entendre la musique. Non, la touche Windows, je pourrais la désactiver moi-même, mais c'est bien d'avoir prévu ça. C'est malin. Option graphique auto. Ah, je veux bien mettre auto. Mais par Automatique, défaut, automobile. niveau bas. Je veux pas trop éprouver l'ordi. Appliquer. Allez, zou, on va démarrer. Il est quoi ce Hop, truc? tac, tac. Allez, revenez les pigeons, vous êtes où? Il veut pas me supprimer mon truc. Ah, D'accord. pourquoi le jeu démarre pas? Je comprends pas, je suis encore dans la mini-fenêtre. Faut faire retour. Ah. Ah oui, pardon, mon Dieu. Oh! Et t'as fait appliquer avant? Bon, c'est pas grave. Oui, je crois. Ok. De toute façon, si t'as pas fait appliquer, il te met un message en disant est-ce que vous voulez appliquer? Donc, Mon Dieu. on se rejoint dès que le sage sera là, puisque en fait il avait, comme il vient de le dire, installé la mauvaise version. Ouais, on aura démarré pour 10 heures le temps que je configure mes touches. La 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 Je suis la la. vraiment pas assez précis avec ce sniper. Hein. Ah mais c'est un sniper Hyperion, je crois qu'ils ont pas beaucoup de précision au début, puis après ça se... Ouais, mais tu vois, je tire, le point est dans la tête du mec, quoi, et ça, je tire à côté, donc pour un sniper, c'est pas terrible. Mais là, j'ai le soldat, et le soldat a moins de précision au snipe. Ceci explique cela. Si tu en fait, il est habile sur le pompe, sur le flingue et sur les armes d'assaut. Pourquoi le Non, sur le pompe et changement? sur l'arme d'assaut. Ah, Marianne. Oh là là, c'est Par pas contre, bon ouais, j'ai ça. l'impact des balles qui a C'est bon. augmenté, donc du coup, même si je tire pas forcément dans la tête, j'ai un impact supérieur sur n'importe quoi. Alors, lui, il me Ok. dit que j'ai plein de contenu. Tant mieux. Alors, attendez. Ouais, bah, je l'ai eu. Je pensais pas du tout l'avoir. Ouais mec, je donne tout. Ouais, mate un peu mec, je donne tout.
Mais c'était juste pour m'amuser à tuer des gens pendant que je suis en train de se faire. Pas tarder à retourner sur le menu. Ah, c'est bizarre, il y a un coup sur les options et pas d'autres. Ah, il pète le feu, le robot. Ouais. Il fait gaffe parce qu'il en pète vraiment du feu en plus. Bon, je vais commencer modeste, je vous montrerai peut-être la config de graphite qui le gère bien. Je viens de pêcher une Marie-Jeanne noire, ça existe ça comme. Le poisson, ouais. Ouais, ouais, la Marie-Jeanne noire. Ouais. J'avais pas ça en tête moi. Ah, y a des noms, c'est dingue. Hein. Bah, comme on connaît le célèbre poisson chat, si je dis pas de bêtises, je suis sûr qu'il existe le poisson chien. Oui. Comment il s'est minou. Il est fou ce robot. On va peut-être baisser un peu le son du backyard. Activer les voix, non, je les active, sinon on va s'entendre en double. Oui, voilà, faut les activer, ouais. Ok. Merde. J'ai du mal à rester concentré au niveau du menu parce que tu vois le robot en arrière-plan en train de faire des âneries. Là, il a traîné un macabé sur la route. Tu te demandes ce qui se passe. C'est vachement bien pensé. C'est hyper dérangeant. Bonjour, Dragon. Bonjour, tout le monde. J'arrive. Excusez-moi. Salut, Dragon Kai. Bonjour. Bonjour le chat. Ah oui, désactivé. Seb et tout ça. Petit Seb et le sage de Nancy, pardon. Lui, non, parce qu'il est inactif par défaut. Quoi que, ouais, mais je vais essayer ça. Voilà, oui. Oui, pour aller plus vite, si je me permets. Non, je peux jouer à la manette, je joue avec les souris. Alors, assignation de touche, ça y est, on y croit. Je suis ici. Nanana, tirer avec une arme, recharger. Non, recharger, j'aimerais bien avoir le bouton de la manette. Encore plus, ce serait plus logique de faire comme ça et recharger comme ça. J'aime bien parce que là, le jeu. Oui, je voulais la sirène, Lynn, mais là, comme c'était en attendant, j'avais pris un autre personnage. Justement pour pas dévoiler trop le gameplay de la sirène. Aussi. J'aime bien parce que quand tu quittes le jeu, là, il te dit, voulez-vous vraiment quitter, bon, comme d'habitude. Et au lieu de vous dire, attention à votre sauvegarde, machin, il dit, toute progression sera sauvegardée. Pandora's Box. Achète-la même si tu l'as déjà, achète-la une deuxième fois. Je sais pas pourquoi ils proposent la pub alors qu'on a. Enfin, comment faire, comment c'est le jeu. Ce qui est fou, c'est que. Je vois qu'en traduction, ça fait bizarre. Vous mettez flèche de gauche, il dit flèche de gauche, vous mettez flèche de droite, il met juste droite. Ouais, mec, je donne tout. Ouais, mais un peu, mec, je donne tout, je danse comme un ouf. Utiliser quitter véhicule. Ouais, c'est vieux. Hop. J'ai perdu. Ah, mon dieu, je vais y arriver. Ah oui, la compétence boost, je l'ai fait sauter du coup. Pourquoi est-ce qu'il y a mon son en double là? Parce que t'as dû activer les voix. Je l'avais enlevé tout à l'heure justement. Ah. Merde. Des options. Non, c'est pas option réseau. Qu'est-ce que c'est que. Est-ce qu'on m'entend vraiment en double ou pas? Ouais. Merde. Eh ben, moi aussi d'ailleurs. Ah oui! Attends. Option. Moi je sais pas si on m'entend. N'hésitez pas à me dire. Il me l'a enlevé. Ah non, activez voix, désactivez. Bah oui, désactivez.
délire. Ah, toujours activé. Non, appuie. Alors, appuie pour parler, peut-être comme ça au moins. Non, j'ai ouais, moi, je mets en appuyé pour parler, comme ça tu mets pas de touche et t'es tranquille. Mm. Alors, comment c'est le jeu? Clash. Allez, c'est quoi? C'était. De toute façon, j'ai pas la plus. Allez hop. Afficher le perso. Afficher l'inventaire. Alors, les compétences. Afficher les journaux. Ça devrait être bon. Je crois que je suis prêt, les copains. Enfin. Et donc, invité. Allô? Ah oui, non, mais on m'entend encore. Le sage. Et toi aussi, petit Seb? Vous entendez qui en double, en fait? Non, mais c'est que dans le menu, on s'entend. Alors qu'on a désactivé le... Mais je me demande si dans le menu, on n'est pas cool. Activé par défaut. Et réaction du joueur, c'est possible de... Activer, voilà, toujours activé. Moi, ça s'est réactivé. Bah. Mais... Le jeu est troll. Bah pourtant, je sais combien... Ouais, oui, oui activer comme... les voix, oui, je suis revenu à toujours activer. Qu'est-ce que c'est que le truc réaction du joueur, c'est quoi sa réaction du joueur? Non, ce réaction du joueur, c'est ton personnage s'il fait des commentaires pendant le jeu. Ah d'accord, bon, on peut laisser ça. Oui, parce que c'est drôle. Ah, exact, ouais, Dragon. Merci de ta suggestion, ouais, on fera ça pour le Stardew Valley, t'as raison. Faudra que je fasse ça à la sortie du direct tout à l'heure. Tu as raison, tu as raison. Mon cerveau me dit, je voulais faire quelque chose, je sais plus. Ah oui, les amis Steam. Alors peut-être qu'il faut lancer la partie et après, en jeu, modifier ouais. L'option. Allons-y, bah, j'attends que petit Seb invite tout le monde. C'est possible. Mm. Bon, hop. J'invite tout le monde. J'invite. Là. Et Nayone qui se cache toujours et qu'il faut aller chercher. La session que vous essayez de rejoindre n'est pas disponible ou n'existe plus. Bah, ça commence bien. Attends, hop, play. Il faut que tu prennes la dernière. Tu as reçu l'invitation, le sage, ou pas? Je la vois pas. Ah. Je te l'ai envoyé sur Steam. Hein. Mickey. Robot cinglé. Oui, mais encore, c'est pas le pire. Nayone, faut que tu fasses un choix de personnage pour prendre le bon. Oui, je vais prendre le meilleur personnage. Mais qu'est-ce qu'il... J'ai pas un choix de personnage juste au-dessus, normalement. Ouais, c'est là. Je faisais personnage, je l'ai pas vu, autant pour moi. Bon, écoute. Bah, je comprends pas. Non, le chasseur, c'est bien. Je vais choisir un personnage, mais... Pardon. Le jeu a crash. C'est pour ça que j'ai mis. Je le sélectionne. J'ai. Attends, mais c'est quoi cette blague? Regardez mon écran. J'ai. Pourquoi je suis considéré comme un ami? Mon pauvre petit Seb, je comprends pas. J'ai cliqué sur ton avis, ça a crashé mon jeu. Oh, je suis dépité. Je suis désolé, cher public. Hein. Il y a des soucis techniques. Attends. Est-ce que tu peux me réinviter, s'il te plaît, petit Seb? Oh, pauvre petit Seb, il va passer sa matinée à faire que des invitations. Ouais, je vais les jouer tout seul, ça sera plus simple. Je vais jouer qu'avec Nash, parce qu'il n'y a que lui que ça marche. Ouais. Merci, petit Seb, je vais essayer de rejoindre. Ça va me mettre dans la partie. Non, mais de toute façon, c'est pas la bonne semaine. Hier, on a eu peut-être bien 15-20 minutes de... bug de connexion sur Alerte Rouge 3 avec Nayon. Mais pourquoi il me colle d'office à un perso? J'ai pas envie de prendre le soldat. Qu'est-ce qui me colle le soldat? Ah mais non, mais appuie sur C pour choisir ton personnage, Nayone. Merci. Voilà, c'est bon. Prêt. Curieux. Ok. Oui. Il y a quand même le micro qui s'active. Oui, mais c'est ce qu'on dit, on verra. C'est, je pense que c'est... Une fois en jeu, ça le fera pas. C'est parce qu'on est dans le menu et il faut qu'on puisse se parler, en fait. D'accord. On attend plus que le et je pense qu'une fois, c'est ce qu'on disait avec Nash, une fois en jeu, on devrait pouvoir revenir. Désolé pour les échos.
Pas Bah, désolé désolé mon pour micro, comme que ça on t'entend pas. l'attrape qui fait le con derrière. Mais moi, tu vois, moi, ça s'active plus. Ah, mais c'est parce que je suis pas sur le jeu. Comme j'ai cliqué sur une fenêtre à côté, je suis pas sur le jeu, du coup, le jeu me détecte pas. Et du coup, moi j'ai toujours pas On peut faire d'info. pareil, du coup, en attendant. Ah, bah non, moi, bon. Ah, mais je suis en fenêtre, c'est pour ça. Ouais, moi, je suis en sans bordure. Dans quelques instants, la suite de votre programme. Bah, en attendant, profitez des sons et lumières de Claptrap. Bah, du coup, moi je vais exécuter la bonne idée de Dragon, c'est-à-dire de passer Stardew Valley de 4 à 8 dans la vocale, puisque la mise à jour veut qu'on puisse être 8 désormais. Il dit Je peux à vrai, 8 un dans peu. Stardew Valley? Ouais, c'est une des propriétés de la mise à jour. Ça va être un délire. Attends, c'est quoi la mise à jour là, sur Stardew que vous parlez? Oui, la mise à jour de Stardew Valley, elle est énorme. Hein. C'en est une grosse. Il y a même d'ailleurs dans l'annonce de publication l'équipe de développement principale qui a suggéré de laisser de côté un temps les mods pour redécouvrir Stardew Valley dans sa nouvelle version parce que c'est du lourd. Il y a beaucoup de contenu visiblement. Ah bah s'ils le disent, ils sont pas menteurs. Il y en avait déjà trop pour moi à la base. En Oh. même temps, je me suis fait abandonner par ma coéquipière, donc. Non, ce que j'adore dans Stardew Valley, c'est qu'ils ont réussi à distiller l'intrigue et les choses à faire vraiment de manière très très bien pensée. C'est-à-dire que tu finis un truc, t'as un peu le soufflet qui retombe, et puis dans les 5 minutes de jeu qui suivent, t'as une nouvelle intrigue, un nouveau truc à faire. En disant, mais merde, mais il y a peut-être moyen de faire un nouveau truc. Et du coup, t'es toujours tenu en haleine. C'est vraiment très très bien fait. Je pense que Stardew Valley est nommé en exemple dans les écoles de développement de jeux vidéo là, parce qu'il a une dynamique absolument remarquable. Ouais. On entend un peu d'écho chez quelqu'un. Sur Discord, c'est toi. Oh. Écrit Discord. Écrit On n'entend pas? inappelé. On n'entend rien, j'ai pas Non, compris. de l'écho sur Discord, je disais. Ça doit être moi. Mais attendez, je vais passer sur le Non, non, casque. c'était pas. En fait, C'était disons pas que toi. si je mets le casque sur la tête, j'ai un peu peur de ne pas entendre Non, non, le mais c'est. colis. Toi, c'est bon, c'était chez Nayuné qu'on entendait un peu d'écho. D'accord. Et là, il y Bon. a encore de l'écho ou pas? Mais il faut. En fait, c'était quand le sage parlait que je l'entendais chez toi. D'accord. Bah, c'est Oh. bizarre. Mais là. Attends. Est-ce que. C'est pas plutôt dans le jeu qu'on m'entend? Bah, c'est Ah, c'est pas possible. possible. C'est possible. C'est pour ça que moi, vous m'avez toujours pas entendu en écho, puisque j'ai jamais rejoint une partie. Ça va sûrement le faire Le quand je vous sage aurai marche rejoint. bien pour moi. Il nous embête le sage. Mais ça y est, moi, tu vois, ça. Si, je suis plus détecté dans le jeu, donc je suis pas en écho dans le jeu. Bon, j'ai gardé le message, vous avez accepté une invitation à jouer à Borderlands machin. Mais si je clique dessus, il me propose de lancer le jeu. Ça veut dire que je vous rejoins quand même ou pas? C'est Bah, bizarre. essaye, J'essaye, si ça allez. marche. Normalement, oui. Bon, essayons. Ah oui, c'est choisir personnage. Ok. C'est marqué en bas. Papa. C'était marqué en bas. Salut Clégor. Donc du coup le sage va finir avec le soldat. J'espère qu'il m'a pas fait sauter mes choix de Normalement touche. non. Je vais relancer Ouais. l'invitation, petit Zem. Oui. Parce que mon choix de vidéo, j'ai. Mais oui, mais il m'a. Il t'a Pourquoi tout il m'a changé? réinitialisé? Mais oui, la vidéo, il m'a changé. Il est fou, lui. Alors moi ce que j'ai fait,
pour que ça prenne en compte le fait que ça détecte plus ma voix, je me suis mis en appuyé pour parler. J'ai fermé le truc et j'y suis retourné tout de suite pour vérifier que c'était bien ça. Et depuis, tu vois, il ne me détecte plus en jeu. Comment t'as fait pour aller dans les options alors qu'on était dans le salon? Non, mais c'était tout à l'heure avant. Ah. Ouais. Ou alors peut-être qu'il faut. Ah, peut-être que. Oh, bah non, c'est bizarre. Si je zappe, il est content ou il est pas content? Attends, est-ce que si je quitte et je coupe complètement, ça va pas faire de. C'est... Pas je coupe, non. Je fais ce que t'as fait, dit Seb. Ouais. Si vous voulez quitter la partie pour aller essayer de vérifier ça, parce que moi, c'est ce que je dis. J'ai mis mon réglage de son, j'ai quitté les options, je suis revenu sur le menu, et ensuite j'ai recommencé. Ah bah voilà, le sage nous a rejoint. Mais merde, au moment où je quitte. Non mais vas-y, ça prend 2 minutes, ça va pas nous tuer. Hein. On n'est pas à ça après, ça fait une demi-heure qu'on attend. Ok, ça c'est appuyé bon. Pour parler. Hop. Voilà. Du coup, je vais faire un démarrage du jeu, comme ça au moins je suis sûr que c'est pris en compte. Pareil. Oh, c'est ça. Ouais, ça pleut un crop trap. Alors, pour te dire que les gars dans l'équipe, en fait, c'est les classes de personnages. Il y a le furieux, le soldat, le chasseur et la sirène. C'est les 4 classes de personnages. Est-ce que j'ai encore... Non, j'ai pas de... Tu peux m'envoyer l'invitation, s'il te plaît? Oui, pareil pour moi, s'il te plaît. Hop, et une invitation pour Nash. Merci. Et... c'est chiant d'aller te chercher, Nayone. Et non, ça continue de l'activer. Bon, bah écoute, hein, je couperai mon micro, tant pis. Faudra le refaire quand on sera en jeu. Ouais, moi aussi j'ai mis le micro, moi je l'apprends quand c'est en jeu. Bah le sage, ça le fait pas. Bah, faut dire aussi, j'ai pas parlé. Ça le fait. Ah si, ça y est, ça le fait. Bon bah moi je suis prêt, hein. Bim. Non, j'ai pas pris le... j'ai pris le mauvais soldat. Bon perso. Voilà. La sirène, le soldat, le chasseur et le furieux. Furieux. Ça y est, Furax. Tout le monde est content de son perso? Oui, on a... Oui. Bon, il fait bien. Qui est pas... Normalement, il faut que vous mettiez prêt tous. C'est à tout. Ça y est, le spectacle va commencer. Attention, mesdames et messieurs. Attention. Ça va commencer. Cinématique de ouf. Personne ne parle. Je descends. Merci, Christella, pour la suggestion. De garder le silence tout le week-end, c'est ça? Oh ben non, Rayonier, t'as mangé beaucoup de beefsteak, hein? Oh, les muscles! Ah, mais ça ne nous a pas balancé la cinématique. Ah, je suis tellement triste. Ouais. J'ai bien, on démarre, j'ai déjà un succès. Tout le monde, je sais pas quoi. Je peux même pas me déplacer, moi. C'est normal, il faut d'abord avoir l'interface avant. Oh mon dieu. Le didacticiel, là, en fait. On est au programme en direct. Éco-vision. Si vous pouvez passer. Ah ouais, non, on peut pas. Ouais. Pas tant d'avoir l'interface. Voilà, c'est bien. Système éco est 100% opérationnel. Ouais, c'est bien, s'il vous plaît. C'est tellement triste qu'il n'y ait pas eu l'intro. Mais Nayone, depuis quand tu fais de la muscu? Je ne te reconnais plus. Ah oui, c'est bien différent de ce que je suis, en fait. En fait, c'est ma vraie personnalité. Quand on me voit, je porte un masque. J'ai suivi le robot. Ah, vous allez chercher les petits loot à droite à gauche. Bah déjà, j'apprends à incarner mon personnage. Mais il y a des sauts normalement. Oh. Mais oui, pourquoi je peux pas sauter? J'ai merdé ma config. Bon, attendez, ouais. Je peaufinais ma config. Et espace pour sauter. Espace. Ouais, c'est pour... sauf que moi, j'ai plus rien. Mais tu sais bien que le sage, il aime bien faire pas comme tout le monde et remapper toutes ses touches comme ça. Et on peut plus l'aider à les retrouver. J'ai trouvé de la thune. Ouais. Regardez. Ouais. Alors, la thune est partagée, quand tu la ramasses, on la reçoit. Ça s'affiche au milieu, en haut de l'écran. D'accord. Par contre, j'aimerais bien, dans les options vidéo... Oh, un toilette. Bien comme ça. Voilà. Et ça se voit que le jeu est vieux parce que l'interface est énorme et t'as la place de ton personnage est énorme dans l'écran aussi. Bah tant mieux.
Oh, il y a ouvert un coffre, Nayumi. Ouais. Oh, j'ai gagné 12$ sans rien faire. Alors, j'explique le jeu. Tout ce qui est vert, vous pouvez ouvrir. C'est comme, comme dans Halo en fait. Quand c'est vert, c'est que vous pouvez actionner quand il y a une lumière verte. Les chiottes. Vas-y, ouvrez. Hein? Des munitions dans les chiottes. Oh mon dieu. Il va y avoir de nouveaux coups de balles. Bienvenue. À Bordel Land. Bonjour Rio. Bonjour Lio. Il n'y avait rien là-dedans. Quelle arnaque. Le jeu m'a arnaqué, il y avait un coffre vide, super montant. Qui c'est? Oh, c'est des déchets. Est-ce que je peux sauter par merci pour nous, hein. Ah non, j'ai pas réussi. C'est vrai que la zone est crade. Ah oui, il faut suivre la trappe, c'est vrai. Ah oui, le foufou. On est déjà vachement bien dispersé. Ça annonce haut en couleur le beau coup d'ailleurs. Ah ouais, parti. On s'est tous dit avant de commencer, faut bien qu'on reste ensemble. 10 secondes de jeu, tout le monde s'est perdu de vue. Le gars est censé prendre les couilles, il est derrière. Je suis en train de... Bah aussi, on décolle. C'est juste que j'ai ramassé le loot. Enfin, ramassé ce qui était droppé. Voilà, c'est bon. Hop. Ceci est la station New Bay. Lorsque vous utilisez cet appareil, votre profil ADN est automatiquement effectué et enregistré. À présent, veuillez activer la station New Bay. Ah bon ? Excellent ! On peut une couleur. En enregistrant votre ADN, vous avez souscrit la meilleure assurance si vous contre tout arrachage de membres et toute mort douloureuse. Si un accident malheureux devait survenir, vous seriez cloné vers la station la plus proche. Maintenant, dirigeons-nous vers la paisible ville. Ah merde, il manque un caractère. Suivez-moi. Je vais faire comme ça. Changer de tête. Oh mon dieu. Oui. Est-ce qu'on voit avec une nouvelle tête ou pas? Eh, à la pêche, c'est pas mal le beret de pêche. J'adore voilà, et ces stations-là permettent de réinitialiser les points de compétences aussi pour les redistribuer. Voilà, normalement j'ai changé de couleur. Une sacrée tête, hein. Ouais, je me suis mis une tête de monstre. Couleur de... Ah, d'accord. Ah, pas mal. Attends, moi aussi, faut que je mette un truc de merde. Non, j'aime bien le... Non, c'est nul. Chapeau de nouilles... Il y a chapeau de nouille, il y a le masque, patience zéro, les lunettes, tourne sur le dessus. Non, je reste naturel. Ah non, l'interface là sera déviée vite plus tard, apparemment. T'as fini? Oui, je veux dire, c'est déjà indécent là, mon dieu. On fait une bataille de corps à corps, c'est bon. Oups, pardon, le coup est parti trop tout seul. Trop vite, ouais. Oh, yo. C'est ce que t'allais dire. Yo. Salut, cousin Rio. Bidi. De toute façon, c'est fini avec Stella. On lui a donné un pseudo. Maintenant, c'est cousin Rio jusqu'à la fin de ses jours. C'est qui s'appelle Internet. J'ai eu des lunettes à la... J'ai eu des lunettes un peu bizarres. On dirait un soudeur. Faut que je change le nom alors. Attends. Ah ouais, bon. Les bandes du tours. Ah ouais, ils sont tous. Là, il va y avoir des voitures. Il y a une action par ici. Oh, il y a une maison avec des trucs dedans. J'ai des gros mulets alors je vais foncer. Je vais casser tout. Oh putain, je suis passé dans l'autre sens, du coup je les ai pas vus. 77. Et du coup, c'est ce que je disais, est-ce que vous avez récupéré les munitions qui étaient là, là? Où ça? Nashavman a tiré son coup. Mais je crois qu'en fait, elle a ramassé pour tout le monde. Bien joué, là, ça a ramassé pour tout le monde, oui. Je crois. Oh non. Ouais, chargé, c'est parti, je m'en charge. Allez, go, je suis en train de cramer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je crois que je lui ai mis une tête. Il est très top, il est bon, il est enfoncé. Ah oui, on peut pas avoir tous les types de munitions. Faites attention, il y a des espèces de petites boîtes à outils qu'on peut ouvrir un peu partout. C'est vrai. Oui, des petits bricoles à ramasser.
ramasser. Alors c'est individuel les gars ou c'est commun? Non, il n'y a pas de pot commun. Non, la thune elle est donnée à tout le monde. C'est commun. Elle est donnée à tout le monde, ensuite tu as ta propre thune. Alors quand tu meurs, quand tu meurs, tu perds une partie de ta thune. On ne prend pas de pot commun du coup? Et si je me souviens bien, quand tu perds tous tes PV, tu te fais mettre à terre, les autres peuvent te relever pendant un petit moment, non? Bah t'as le mode combattre le mode dernier souffle, et si jamais tu tues un ennemi alors que t'es à terre, tu régènes, tu redeviens en vie. C'est vraiment excellent. Bah donc, pourtant il a rien le bonhomme. Bon, après c'est histoire de niveau. Là, je me cache derrière la malle. Allez-y, ouvrez le coffre, je vous en prie. Vous devriez ouvrir ce dispositif de stockage. C'est à moi, rien qu'à moi. Alors là, j'ai mis du... Est-ce que vous voyez des pistolets? J'ai ramassé des munitions, ça les a donné à tout le monde. Je sais pas où sont mes munitions, mais ok. Hyperion, non. Je laisse prendre ce que vous voulez. Je prends le dernier. Je suis ici. Il est terrible qu'on dit je suis ici. Est-ce qu'il y en a de Torg? Vas-y, attends, vas-y, prends-en un. Ah oui, il y en a qui disparaît. Ouais, ah oui, il y en a qui disparaît. Ouais, en fait, c'est perso. En fait. Oui, bon, les armes dans les caisses, elles sont. Voilà. Mais les munitions, ça les a données à tout le monde. Je prends ça. Oui. Je prends le dernier. De toute façon. Alors. Normalement, c'est la touche tab. Je dis normalement parce que ça, j'ai de la peut-être changer. Oui. Et normalement, vous avez déjà des armes dans votre inventaire. Alors. Enfin, c'est touche tab. Non. J'ai un gros fusil et un pistolet. Et ce que j'ai. Ah, j'ai un. Ah oui. Est-ce que j'ai ça? Je peux l'utiliser ou pas? Ça vous laisser. Attends. Il est fou ce robot. Je me souviens plus qu'il était aussi déjanté. Suivez le robot. Ouais. Mais. Oh, il a cassé le. Moi j'ai un lance-croquette sur moi, je comprends pas. Oh merde, il y a des... Ouais, vous avez pas fouillé, vous avez avancé trop vite. Oui, fouillez, moi je nettoie la zone suivante. Bah, je rappelle qu'on disait de pas trop se séparer pour que tout le monde gagne bien XP. Je vais galérer avec les. Ouais, bien joué. Un petit coup de bazooka. Oh, boum! Ah merde, ça tire 3 roquettes à la fois! Pourquoi j'ai cette bazooka si bizarre? Je l'ai pas ramassé! Sérieux? Merde, j'aurais dû recharger! Mais 3 roquettes à la fois! C'est le malus de l'arme! Attends, je vais prendre une autre arme! J'ai un gros pistolet. Oh, oh cette décapitation. Une tête. Ouais. Oh. Ouais, j'étais au sniper quasiment à bout portant. Le pauvre, il avait aucune chance. Ouais, pareil. Alors, je tiens à dire que normalement, c'est pas moi le chasseur. Ouais, l'auto-visée, j'ai l'impression que j'ai la visée automatique. Excellent, je savais non, que tu étais le bon choix. Bah, genre juste tu veux petit Seb, c'est pas un problème. Oh merde, non. On a notre Cortana là, au secours. Cortana. Alors là, pour ouvrir, ce que là, tu fais petit Seb, oh, tu connais. Mais les coffres là, il faut une clé dorée. Et les clés dorées, faut se débloquer je sais pas où, soit en rentrant des clés de licence ou je sais plus quoi. En rentrant des codes shift. Voilà les coffres shift. Bon sang, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Donc attends, hop. Fumier de bandits, toujours sur notre dos. J'ai dû me barricader. Je vais vous faire entrer. Allez. Merde, ces circuits pourris sont encore en panne. Remontez là. Essayez l'interrupteur de votre côté pour voir. Merde, j'ai loupé mon coup. Docteur est en consultation. Alors, le docteur est en consultation, niveau 2. Niveau du 2, en fait. Au niveau 2 pour faire la mission correctement. Oui, parce qu'on est deux niveaux en dessous. Un niveau en dessous. Niveau 1. Oui, oh, pardon. Oui, pardon. Je croyais qu'on était au niveau 0. Marqué niveau 1, effectivement. Pourquoi tu peux passer là? Je vous attends. Hein. Il y a des trucs sur les. J'ai trouvé du loot. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tourner dans la zone pour trouver le.
Je me souviens plus. Dans celui-ci, il y a les symboles de Borderlands cachés un peu partout à trouver. Je sais pas, j'ai même pas cherché. Je ne sais plus. Là, je sais qu'il y a des trucs derrière. C'est plein ça, j'ai pas besoin. Une jambe. Je crois qu'on peut courir en permanence, on n'est pas épuisé et aussi on peut pas, on peut faire des sauts mais d'une hauteur inimaginable. Il n'y a pas de dégâts de chute. Je pense qu'on a tout ramassé. Moi j'attends Nash, j'attends avec Nash pardon. Je pense aussi. Oh. Il y avait des... Ah non, il y avait un truc là. Ah bah. Là il y a une cinématique. Mais bon, une gamme. Merci pour le clip Christophe. Elle t'a clippé, elle a clippé, tu es parti tout seul. Ça m'avantage pas, ça. Merci de l'avoir ouverte. Je m'appelle Zed. On ne laisse plus charcuter les gens parce qu'on m'a retiré ma licence. Mais je suis chargé d'entretenir les bornes médicales. Dans ces bornes, vous pouvez acheter tout le matériel de soins qu'un vrai docteur vous prescrirait. Et ça vous évitera les sermons du genre. Cette arche est une légende, vous allez vous faire tuer. J'ai peut-être pas mon diplôme de docteur, mais quand vous serez blessé, vous serez bien content de m'avoir. J'essaie de prendre une photo de groupe. Maintenant que ceci est fait, veuillez me suivre, je vais vous ouvrir les portes. Voilà, j'ai validé, j'ai pris la quête suivante. Il y a un truc intéressant. Ah non, les bandes sont pas encore ouvertes. Non, encore prêtes, donc on va faire la mission. Alors, pour aller aux objectifs de mission... Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. C'est tab. En haut, vous avez... Ah, j'ai cru qu'il y avait un corps en fait. C'est donc, le cinquième onglet, celui qui ressemble à une map. Ouais, la map c'est vraiment la map et le symbole d'émission c'est la cassette. La cassette en magnétique là. En fait. Et là, on a le droit de. On a juste le droit d'accès à une mission parce qu'on débute. Pourquoi je t'entends en écho ? Tu m'entends en écho ? Attends, est-ce que j'ai désactivé mon truc ? J'ai mis en appui pour parler. Mais j'ai pas l'impression que c'est en jeu parce qu'on voit pas d'icône en jeu comme quoi tu parles. Bah je sais pas. Si moi en haut à gauche je vois le. Ah le si ouais, de... ouais. Ah, si, oui. Ouais. Oui on voit dans le symbole de Nayonek qui parle. Je vois aussi le symbole. Le petit. Ouais mais est-ce que tu m'entends le symbole sur... Oui je t'entends mais pas en double, j'entends tout le monde normalement en fait. Et j'ai mis appuyer pour parler pour activer voix. Mais si je m'étais désactivé pour voir. Là je m'ai toujours activé, du coup on m'entend. Là, je vais désactiver. Ouais. Voilà. Super grand, Brick. Oula, si je me mets accroupi devant Brick, c'est pas. Non, c'est pas flatteur. Activer voix, j'ai mis désactiver. Est-ce qu'on voit toujours mon icône s'afficher ? Non, on voit plus ton icône s'afficher. Donc faut désactiver le truc. Hein, le... Ouais. Allons voir le petit claptrap. Oui, celui-là. Et vas-y, ouvre la porte, claptrap. Vas-y. Vas-y, le fait exactement. Mais ils sont fous. Il va vite en plus là. Oh. Avec les camions, on fait pareil. Hein. Sors d'où lui ? Ça va, j'ai pas de cœur. Vous portant, deux portants, j'ai là. On dirait que vous vous êtes mis une forte Ayado. Ah bah non. Mais vous inquiétez pas, il finira par avoir forte ce qu'il mérite. Tu as réussi. Je savais que tu étais le bon. Oh, ce pauvre robot a besoin de toi. Tu veux bien lui prêter assistance ? Le clap de clap-trap. C'est parti. Oh là, il s'est fait dévisser un boulon. Hop, accepter la mission. Ce petit robot est blessé. Sans réparation d'urgence, il n'en a plus pour longtemps. N'y a-t-il pas près de toi quelque chose qui puisse le remettre en état ? Je peux voir le code. Des réparations, on doit trouver. Ah, bravo! Ouais, Nash l'a trouvé. Il était sur les robots. Ce sont les mobs. Non, il était sur une table. Niveau 2 est bon. Ok. Oh, le bel up! Dans votre inventaire, je vous conseille d'aller dans le. Donc, il est temps de te mettre en route et d'entreprendre le voyage pour le prendre la compétence. Tu es venu ici. Ah, j'ai pas encore la prendre. Non, j'ai pas encore l'accès, les 0 points.
Allez, chargé. Ah, je sais pas si c'est pas à partir du niveau 5 qu'on a le premier. N'oubliez pas de saluer tous les claptraps qui vous attendent sur Pandore. Je vais à présent reprendre mes recherches si gratifiantes sur les merveilleuses propriétés. Les lapins, vas-y, j'ai fait courir, je vais leur tirer dessus comme des lapins. Allez. Bon, ben, j'ai l'impression d'avoir une arme qui fait beaucoup de dégâts. Oui, voilà, les skags, c'est bon. Je peux des skags. Allez, à la revoyure. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est horrible, hein. Le bestiaire est horrible. Le bestiaire est génial. Enfin, horrible dans le sens, c'est pas joli, 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 mais c'est pas mal. J'ai envie de faire un bisou, on a compris. Voilà. Oh, alors, quand il ouvre la bouche et qu'il tire la langue. Pardon. Bah ouais, c'est mignon pourtant, je comprends pas ce que tu dis. Bon, de toute façon, faut retourner voir le docteur Z, je crois. Allons voir le docteur. Il y a encore un nid là-haut là. Oh bah on va dire bonjour. Attends, où je suis hein. Je tire un coup, le machin est mort. Tous sur lui. Allez, gagnons du niveau dans les parties annexes. Mais je crois que j'ai l'impression que je l'avais déjà eu dans le jeu seul. Ah oui, il y a des airs de quand ils ouvrent la gueule de Resident Evil. Pas mal. Ouais, et quand ils ouvrent la gueule, ça développe leur point faible. On sent qu'ils ont mangé de l'ail. Quand ils ouvrent la gueule. Ouais, bah la chute réalif, tu m'étonnes que c'est leur point faible. Oui, ça c'est un checkpoint. Et allez, un truc à actionner. Vous voyez ça? On fera tout là. Faire péter le. Oh bah on va redescendre. On a ouais, c'est un explosif. Le bon docteur. Mmh. Attendez, il y a un autre nid en face là. Ah, il y a des casiers maintenant. Ah bah attends. Ah bah comment je peux rater des trucs pareils, ça me connaît. Mais en même temps, peut-être une arme un peu. Bimère. Sans doute. J'appuie sur me baisser au lieu de corps à corps. Ouch. Et corps à corps, c'est F, je crois. Non, c'est E. Oh, je sais plus. C'est V. Ah, ok. F, ah, c'est la capacité spéciale. Ouais, voilà, c'est ça. La capacité spéciale. Bing. Bon, allez, hop. J'avance jusque là-bas, j'actionne que quand on se fait. Attends, on a dit qu'on restait groupé, excusez-moi. Oui, non, mais là c'est bon, il n'y a pas de mob. Ah, il peut y avoir un gain d'XP si vous êtes loin. Je ne sais pas si on active une mission à distance, ça fait gagner d'XP à tout le monde dans le groupe. Alors là, je pense pas. Que cette expérience de jeu nous fera savoir. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Bonjour monsieur le docteur, je parle au docteur. Allez, je parle au docteur. Youpi, on a gagné un peu de thunes et on a gagné un peu de niveau. Oui, mais moi je l'ai fait, parler au docteur. Non, ça l'a pas fait pour tout le monde. Donc pour comprendre où on était. Non, c'est avant, ça va. On fasse demi-tour. Vous savez quoi, retourne c'est exactement où on vient savoir. Juste de passer la dernière tanière de Z. Ouais. De Skag. Ouais. Juste avant. Oh putain, d'accord. On court jusque là-bas et je vous attends. Hop là. Et on se repop. C'est là. Hop, on y retourne. Le soleil va se coucher. On va bien prendre notre camomille avant d'aller dormir. Camomille, non. Faut qu'on achète tous un bouclier. Oui. Achetons un bouclier. Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Bon, j'ai pris le bouclier qui propose. Et puis c'est qui l'a pris? Ah, c'est moi. Ah mince, c'est pas.
Ah oh, mince. Tu peux pas le porter, il est niveau 4. J'ai même pas fait gaffe. Merde, le con. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça va mettre le truc en compte? De toute façon, il y a encore du fric. L'argent, c'est pas un problème. Tout le monde a 1 400 $, c'est ça? Moi j'ai mis 500 $, je crois, pour le bouclier. Faudrait voir à utiliser la machine pour vendre les trucs dont vous avez plus besoin et pour acheter des trousses de secours. Ah oui, ça. Voilà, je vends un peu le matos. La thune, ça va être très vite très différent. De toute façon. Parce qu'en fonction des armes qu'on a, qu'on vend, on ne va pas gagner la même thune. Mmh. Mais toute celle qui est sur le terrain, qu'on récupère, non, elle est identique. On a fait le tour, je crois. Donc y'a pas d'iridium dans ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le docteur. J'ai pas oublié la quête. Confiance. Et tu ne trouveras jamais l'arche sans leur aide. Résoudre le problème du docteur Z avec 9 orteils serait un bon début. Le sage, t'as pas acheté le bouclier? Bah si, j'ai cliqué sur la boîte en disant je veux le bouclier. Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Ta barre bleue ou tu as ta barre de moitié? Bonne observation, quand je regarde... Ah non, j'ai pas. Oh, appelez-moi Z, comme tout le monde. Faut l'équiper. C'est pour ça que je posais la question, parce que c'est le seul que je vois sans la barre de bouclier, donc... Alors attends, tu me dis qu'il faut l'équiper, c'est pas automatique. Oui, bah normalement aussi, hein, dès que tu l'as, ça te l'équipe. Bah, est-ce qu'il est niveau... Qu'est-ce que t'as fait, les mêmes conneries que moi, acheter un bouclier qui est niveau 4 ou plus? Enfin, niveau 3, 4 ou plus. Non, c'est alors... pas possible, parce que tous ceux qui sont en vente sont niveau... Bah si, comme disait, comme je viens de vérifier, j'ai acheté Oui, mais le... parce que toi, t'as acheté l'offre spéciale. J'ai peut-être ouais, oui, pas voilà, le diplôme de docteur. Mais sauf que l'offre spéciale, il y en a qu'un seul qui peut l'acheter. Donc toi, tu l'as acheté, ça l'a bloqué pour les autres. Mais à coup de pas, j'ai du caca dans les yeux. J'ai cru cliquer sur bouclier, mais en fait, j'ai appuyé sur Insta Santé. D'accord, c'est en dessous. Oh mon dieu. Oh là là, pardonnez-moi. Non, mais je suis pas frais hein, ce matin. Hein, dur. C'est bon. Voilà, c'est voilà, bon. C'est bon, t'as un bouclier. Oh, puis excusez. T'es sûr qu'on l'excuse? Ça dépend. On va faire un petit duel. Désactiver les duels. J'ai même pas regardé moi. Option, c'est dans quoi ça? Option de jeu. Option non, de mais jeu. Je suis tenté. Demande du duel, refusé. Ouais. Normalement, moi c'est désactivé, je crois. Ouais. Y'a rien d'autre à faire pour le moment. C'est quelque chose pour provoquer en duel. Ouais, refusé. Mais que partie remise, le sage. Je vais être dans Stardew Valley. Sur Stardew Valley, battle de champs et d'agriculture. Alors, les voitures, on n'a pas accès tout de suite, mais on aura accès plus tard, on peut monter à 2 par véhicule. Je crois qu'il faut qu'on tue des bandits. Ouais, faut qu'on aille là. Et t'as un truc de bandit sur la droite aussi. Et... Sur la droite, par là, ouais. Deux skag derrière toi, Naline, tu vas trop vite. Ah, je vais t'en tuer. Putain, je recharge juste au bon moment là, quoi. Bravo, je tire. Ce sniper il me plaît pas, il est trop long. Tu as visé ou quoi? Oh, nom d'une pipe en bois. Bandiche! Allez, ouais. Tire tête, j'attends, je vous attends. Venez, il y a des bandiches par là. Venez, venez, approchez. On risque pas grand chose au niveau de bois. Oh, j'ai mis un crit. Non mais j'ai l'impression de pas les toucher, c'est horrible. Oui, j'ai un bug là. Moi, il y a une montagne de mus devant moi, j'arrive pas à voir les mobs. Ah. Je vais les charger, hop. Bien. Ouais, moi je les charge, là. C'est grand mini là. Allez, niveau 3. Droite, attention. Il y a une arme par terre pour ceux qui s'intéressent. Là. Donc du coup, en fait, on a... Une autre encoche à mon arme. Est-ce que quelqu'un voit le pistolet là? Il y a un pistolet là. Ouais, donc effectivement, le matos il est partagé entre tout le monde, d'accord. Il y a du pistolet si vous voulez. Il fait plus de dégâts, mais il est moins bien dans les autres stats, donc moi je le prends pas. Non, mais là où je suis, il y a un pistolet aussi, hein. Il y en a deux au sol. Hein. Ouais, mais on va avoir beaucoup de pistolets au début de toute façon. Hein. Mmh. Bon, je ramasse. J'ai équipé le nage. Vas-y, prends le nage si tu veux. Alors lui, il a été exécuté. Je vais pas faire ça. Plutôt un autre fusil qu'il me faudrait maintenant.
c'était quoi ça? Ah. Il a suffi que je le dise. Niveau 4. Ah merde. Alors, en tant que brique de en bois, est-ce que je prends quoi comme d'arme de prédilection? Oh, sniper que t'as, petit Seb. C'est celui que j'avais dès le départ. Mais je me suis fait enfler. Ah oui, non mais attends, mais ce sniper... Ah oui, non mais c'est pas pareil, là, en termes de dégâts. Ouais, 88. Le sniper, là, que j'ai actuellement, il fait 26 de dégâts, et celui-là, il fait 88. Bah, prends-le, vas-y, en attendant le niveau 4. Celui que j'ai... Ah oui, mais... Ouais, mais c'est pour ça que je fais bien plus mal que toi. Celui que j'ai, il fait 54 de dégâts. Ah, et moi, il fait combien de dégâts? Il fait 41. Je me demandais si c'est pas des... Parce que j'en avais une autre arme, parce que c'est une arme orange, déjà. Ah oui, d'accord. Aussi, j'ai une arme orange. Je suis en train de me demander si c'était pas des armes cadeaux qu'on a eues avec certains trucs qu'on... Oui, certaines opérations sur Steam, là où tu rentres des clés, ouais. Ouais, ouais. Juste avec... Venez par là, il y a un truc. Il y a un cinéma. J'aime bien, Dayoni, il court comme un fou avec Brick, c'est génial. Le grand bourrin là qui fonce dans le tas. C'est super. On y va ou pas? Bah pas forcément tout de suite. On peut hein, si tu veux, mais on va devoir sûrement le fouiller plus tard, donc... Ok, bon, on ne fait pas. On n'est pas... Donc là, on retourne là-bas, à moins qu'il y ait des trucs encore à ramasser. Mais bon, j'aimerais bien aller en face, là-bas, là, fouiller en fait, la zone. Mais je me demande si on doit pas le faire après, pareil. Oh, il y a un boss au skag niveau 10. Faut surtout pas... On reste de l'XP, on fait l'XP ou pas. Tirer dessus. Youhou. Et juste là. Tempéreux. Non, on fait aucun dégât, ils sont 10 000, on se casse. J'ai peur, au secours. Oh la vache, ils font super mal. Non. Vous êtes morts du coup. Faut pas attaquer les monstres de niveau, t'es pas le niveau des monstres. Très peu, pas du tout les attaques. Là, je suis coincé. On fuit, hein. Est-ce que je peux vous sauver? Mais je suis coincé au fond d'un trou, mais lol. Je peux pas les attaquer. C'est plutôt, est-ce qu'on peut sauver le sage? Je vais venir sauver le sage. Oh non, non. Ah, c'est... Je peux te soigner. Je peux te soigner. Ah oui, ça marche, c'est la touche E. Merci. Voilà. Et j'ai un succès. Youpi. Et le sage ne bouge pas, j'arrive pour te sauver. Ah bah t'es mort. Bon, on s'approche pas de la zone tant qu'on n'est pas du niveau. Ouais, je pense que là, on est peut-être un petit peu... On pensait qu'on allait faire plus de dégâts et gagner au moins un niveau, mais non. Non, il y a trop d'écart. La dangerosité, je crois, la limite à respecter, je crois, c'est... Je sais plus, c'est 3 ou 5 niveaux d'écart avec les mobs. D'accord, donc là, elle est largement en dessous. Bah, on était plutôt à 7. Donc le sage va... s'est rendu compte que... ça fait mal. Il est sympa quand t'as un pêcheur, le sage. Oui, merci. Moi aussi, je me suis rendu compte que ça y est, toi aussi, dans les... J'ai des lunettes bizarres, ouais. Je trouve un truc bizarre, je l'ai mis. C'est pour éviter de se prendre des gouttes de sang dans les yeux quand tu écrases tes ennemis. Oh. Avec la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Donc dans tous les distributeurs, on peut vendre n'importe quoi. Hein. Si vous avez des objets à vendre qui vous intéressent pas, vraiment vous serez bien content de m'avoir. Regardez le sniper, parce que vu les dégâts que ça va faire, autant que je le garde. Non, là, je suis plutôt modeste, moi, de mon côté. Ah, mais d'accord, on peut pas vendre tout de suite. Hein, on peut pas vendre tout de suite les trucs. Si. Ah, si, je peux. Bon, surveillez votre barre de santé, petit Seb et Nayone, parce que en fait ça part recharger. Oui, la barre de santé ça recharge pas, ouais. Oui, il faut avoir des trucs spéciaux sur certains équipements pour pouvoir la recharger. Moi j'ai acheté du soin. Là. Voilà, hop, je suis full. Ah, j'aurais dû sortir. J'ai pas le réflexe, j'ai dû sortir mon bazooka. Quel noob. Oh, un truc. Je crois que ça va comme ça. Ah, y a pas encore les balles qui traversent les tissus. On ne tire qu'avec des balles en mousse. Si l'ennemi est habillé, on peut pas le toucher. Ouais.
Mais non, mais non. Non, Onusis. Boulette de papier. Bon, faut qu'on aille en face. Allez, let's go. En fait, c'est un jeu de airsoft. Oui, c'est non, ça. Non, c'est des nerfs. Quand je zoome sur petit Seb, on voit des choses. Eh, hey, t'es obsédé, va. Mais t'es devant moi, j'y peux rien, je vois que ça. Là, je vais dans le cimetière. Hop, je sais que j'ai un cul magnifique, mais c'est bon. Arrête de ah m'appeler. Non, c'est une plantation, regardez, ils plantent des feuilles d'aloe vera. Regardez, là. Oh. Porte dégaine. Toi ! Encore un pas et je te bute. T'aurais dû voir la gueule que t'as fait. Bonjour monsieur. Mais Nayone, t'as toujours pas pris soin ? Non, j'ai... ah oui, j'ai plus que deux. Oh, c'est pas grave. Bon, il y en a qui vont perdre du soin et puis je pourrais récupérer. J'ai oublié. Oh, il y avait de la viande ici. Faut que je parle au monsieur, hein. Dit comme ça, il est faisandé, non ? Niveau 3. Tout va bien. C'est quoi ces grognements ? Où ça ? Ouais, j'en fous l'outil, ouais. Dernier avertissement. Attention, vous entrez dans une zone... Tu sens bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les tourelles, effectivement. Attention. Alors, nous allons elle te plaît notre feu. Planète ? Attention. N'en fais pas pour moi, je sais me défendre. Je peux me débrouiller tout seul, tu vois ? Tout va bien. Ah, il y a une tourelle. Attention. Hey, ouais, mais pourquoi tu viens pas voir qu'on discute un peu ? C'est la limite de terrain. C'est pas si fréquent d'avoir ta compagnie ici. C'est quoi, lui ? Oh bah tiens, level up, parfait. Mais attends, t'es déjà niveau 4 ? C'est pas que je veux te mettre dehors. Ouais. Bah ouais. Plaisir de parler avec toi. T'as activé un truc. On était pas loin. Ah, ça n'a pas partagé l'XP. Bonjour Chris. Y'a Chris Goldbot qui nous regarde. Ah là, ça y est, j'ai enfin un vrai sniper. Oui. Ouais, parce que moi je suis niveau 3, je suis même pas la moitié de ma barre. Hein. Bah pareil. Bah c'est le jeu, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai une explication. N'en fais pas pour moi, je sais me défendre. C'est Nash qui bon tire. Mais je peux me débrouiller tout seul, tu vois. Ah, comment c'est ça bon va, Chris Gogot ? C'est un peu... C'est... Ouais, mais ben, pas le partage d'XP de ce jeu. Alors, je pense que c'est lui qui active l'objectif en question qui ramasse plus d'XP que les autres, peut-être. Non, ça serait bizarre. Oh, ben, des fois, les gens... Ah, voilà, ça y est. Oula. J'ai d'armes, d'ailleurs, sont trop nombreux. Enfin, je fais des dégâts. Je vois un. Allez, je vais prendre la santé. On est pas à niveau. Des bestiaux et c'est des bébés. Il y a de la santé ici. Oui, c'est... ils sont pas bien gros, ça. Ouais. Et ils font même pas mal de bobos. Nourriture volée par les cags. Bon, c'est juste là l'autre. Mais la différence est tellement importante d'un niveau à l'autre. Je pense qu'à un moment, il y a un effet possible à la Diablo que vous avez déjà expliqué sur mon thème précédemment. C'est-à-dire que vous êtes niveau 30, vous venez dans une zone où des ennemis d'à peine niveau 5, ils se pointent à vous, ils meurent en fait. Attendez, il y a un objectif et je vois pas ce que c'est. Je vois pas où c'est. Bah, l'objectif c'est de tirer sur tout qui bouge, parce que là on se bat. Non, mais il y avait un objectif là-bas, il est explosé. Bah, j'ai une arme qui fait mal, ouais. J'ai l'homme qui fait mal. Ouf. Il y en a un qui est en train de souffler comme un bœuf. Mon bouclier s'est auto-réparé. Mm. Oui, le bouclier s'auto-répare de toute façon. Ah la rampe de lancement. J'ai regardé une série Netflix, le problème à trois corps. J'ai surkiffé. Ça me dit quelque chose, le problème à trois corps. Quelqu'un a dû m'en parler. J'ai peu dormi du coup, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un kiff comme ça. Ah bah c'est génial. C'est bien. Ah ouais, je suis tombé dessus et puis ça, je sais pas, ça m'a pas donné envie du coup, je sais pas rien de ce. Ouais, le problème à trois corps. Ouais. Alors, je lui propose que ce soit Seb qui aille chercher, qui aille valider le niveau pour voir combien on gagne d'XP. Et je vais rester à distance pour voir ce que ça fait. Alors, pour faire un test, vaudrait mieux que ça soit Nash qui fasse le test, puisque c'est lui qui est en avance.
D'accord. Votre tabarde XP, elle en est où, toi? Oui, alors, j'ai rien demandé. Elle est un peu au-dessus de la moitié, au niveau 3. Et toi, le sage? Pareil, moitié niveau 3. Ouais, moi aussi. Moi, j'en suis au tout début. Oui, okay. Mais toi, t'es au tout début du niveau d'après, donc t'as un demi-niveau de plus. Mmh. Vas-y, active, pour rester tous voir. Là-bas. J'ai rien fait. Active le truc pour voir à distance si ça marche. Va aller prendre d'XP. On a gagné non, j'ai gagné 480 points d'XP. J'ai gagné d'XP aussi, je suis presque à niveau 4. Bon, t'as gagné combien, tu dis? 480 points d'XP. Enfin ma ouais. Allez en ville et achetez-vous. J'ai gagné un tiers. Ouais, un quart, pardon. Oui. Moi j'ai gagné 3 cubes sur... Je n'ai aucune explication, hein. Je sais pas pourquoi. 144 d'XP, j'ai. Oui, il doit gagner plus d'XP, je sais pas pourquoi. Bizarre. T'as peut-être récupéré un truc qui fait que tu gagnes plus d'XP. Peut-être que... Voilà. Oh, je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai entendu un gros bruit. J'ai un chargeur de mon côté. Si... Oh merde, vous êtes déjà parti en bataille alors qu'il y a du... Non, ils sont niveau 10, ils ont le crâne. Quoi qu'il est bugué. Mais bon, bref. Oui, mais c'est le niveau 10 de tout à l'heure. Donc Ah attends, je vais changer d'arme et je vais l'avoir au bazooka. Oui. Il est tout seul. Je lui fais mal quand avec le bazooka. Oh putain. Je vais tenter. Ah non mais il est vraiment costaud. J'ai plus de munition. Bon vas-y. Ouais, je vais prendre avec le bazooka, je pourrais le tuer. Ah bon on l'a eu. Ah non. Non. C'est lui qui nous a pas eu. On l'a pas eu. Si on gagne, on va gagner plein d'XP. Ça c'est super. Ah mais je pense qu'on peut filer. Hein. Vache, 360, il est terrible. Même avec mon gros snap, je lui fais 3 points de dégâts seulement. Ouais, merci. Je reviens. Je m'améliore. Ça y est, je sais où est la différence. Nash, c'est toi qui avais relevé relevé une personne tout à l'heure. Quand tu relèves quelqu'un, tu gagnes de l'XP. Ah, j'ai relevé quelqu'un moi aussi tout à l'heure. Ou alors je me suis trompé. Debout maintenant. Non, il est mort là ou pas? Bah, il est plus là. Comment ça, j'ai réanimé. Bah, je suis niveau 4 en tout cas. Si, il est juste là, mais il est immobile. Venez, on se casse. Ah, l'ennemi. On se casse. Ok. Moi aussi, je suis passé niveau 4. Seb. Parce que là. Seb et les gars, Nash. Oui, il agonise comme un joueur de foot. On y va. Nash. Il est en état de choc. Nash. Ah, il est peut-être en mode livraison. On va l'attendre. Ouais. On reste ou on le protège. Pire moment. Et il y a le mob juste derrière. S'il décide de s'énerver, on est tous morts. Hein. On perd un peu de thunes, mais c'est pas grave. Fouiller les environs pour trouver des petites boîtes. On a des grenades ou pas? Non, on n'a pas encore. Ah oui, grenade achetée, la mission. Je serais presque à venir chercher des roquettes et juste le péter pour gagner au moins une moitié de niveau complète. Ouais, on lui a enlevé à peine plus d'un quart de ses PV. Hein. Ok, donc on va laisser tomber. Bah, tu peux essayer si tu veux, moi ça me dérange pas d'essayer, mais de toute façon... Et là, c'est... Faut protéger Nash. Tu peux aller acheter tes munitions et on verra quand... Ouais, ok. J'espère que tu vas rien déclencher en route. Oui, je me planque. Je passe par les chemins où il n'y a rien, et puis s'il y a des monstres, ils sont niveau 0, là. Enfin, niveau 0, j'exagère, mais un petit niveau. Non, mais il a dû récupérer un. Ah merde, c'est pas grave, je vais le tuer, ne t'inquiète pas. Bah alors. Mais c'est un niveau 10 ou... Ah, j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions du tout. C'est bon, je les ai eu. Ah si, t'as gagné 10 d'XP. J'ai gagné, je sais pas combien j'ai gagné, attends, je tape les monstres. Ouais, 10 d'XP. Oh, merde, j'ai perdu, mais... Qui c'est qui m'a mis? Et 10 d'XP. Non, en fait, c'est bon, l'XP elle est bien envoyée. Comment ça se fait qu'une Nash a gagné? C'est un cheat. J'ai tué le chien que t'avais au cul. Merci. Ouais, désolé. Ah, c'est bon. Oui, c'est bien, t'as été livré, Nash. Oui, j'ai le PC, ça y est. Ah, vite, c'est bon.
y a pas de munitions, zut, y a pas de... C'est vrai qu'il y a pas de distributeur munitions, on les a pas encore débloqués. Quel noob! Ah, j'ai aucune munition avec moi, je vais juste faire du cac. J'arrive. J'essaie de sauver le sage, mais... J'arrive... Ah, trop tard. Voilà. Bah oui, ils sont 50, alors je veux pas le raise si c'est plus gratuit. J'adore ce jeu. Tu meurs, t'es niveau supérieur. Ouais. J'ai réalisé l'ascension, les copains. Comme ton Stargate. Bon, j'ai eu au corps à corps, j'aurais mis des fessées. Un petit sab était derrière aussi pour avoiner. Bah oui, mais pendant que t'es tué un, moi j'en ai tué trois à côté. Ouais. Enfin, trois, j'étais pas tout seul. On est tous là, là, du coup? Je crois. Ouais, mais le petit. Voilà, allez hop. Ah, c'est bon, on est tous là. Mais tu veux aller essayer de tuer l'autre ou pas du coup? Moi je veux... Attends, je veux faire... J'ai repéré de la santé. Okay. Putain, mais c'est vrai. Mais y a un gros qui passe sur le chemin, forcément tu touches pas les mobs. Ah mais je l'arrête. Est-ce que tu vas tuer? Il est presque mort. Je peux même pas tirer. Bon, quelqu'un peut gagner de l'XP en me sauvant s'il vous plaît? Mais je suis pas sûr que ça gagne de l'XP en me sauvant. Merci, t'es le sage. Je vais taper le mob, mais je pense que c'était imprudent. J'ai pas assez je de... Je me demande s'il y a les balles qui traversent les alliés. Ah putain. Bah vas-y, essaie sur moi. Essaie pour voir. Attends, s'il y a les impacts. Alors attends. Mets-toi contre le panneau, s'il te plaît. Le panneau non, qui bouge est... Bouge pas. Vas-y. Ça marche ou pas? Non, l'impact a eu lieu sur le... Effectivement, quand on a un buffle qui traverse toute la map, ça va être compliqué de tirer au travers. Ouais. Il va où, petit Seb? Mais Nash qui voulait faire mumuse avec le gros, là. Bah non, mais on peut pas le tuer, donc... Ah, mais j'ai pas de munitions du tout, hein. J'ai... Puis on a Ah, mais non, oui, c'est vrai que t'as pas eu le temps. On a pas débloqué la caisse de munitions. On va chercher les grenades. Oh, ces gémissements. C'est... Une femme pour trois hommes. Oh. Et je l'ai dit. Et je suis même pas satisfaite avec tout ça. C'est pas ce qu'on appelle une femme tournée. Oh là là. Non, tu peux pas dire ça. Je suis extérieur à toute cette conversation. Madame. Voilà, maintenant pas acheter des munitions. Il en faut plus. Alors je rappelle que mon canal est. Plus que ce interdit au moins de 18 ans. Déjà. Alors, une munition. Ah, des fusils, ça y est, enfin des choses intéressantes. L'horreur est dans l'image et dans le propos. Merci, cher public. Yor, bof. Dalle propose quoi? Réduction dans le cul, comme de tenir. Oh my god. Oh my god. Moi, ça coûte 1337. Oh la vache. Dire, il y a tellement de munitions, je sais même pas de quoi j'ai besoin. Ah, j'ai des armes à gauche. Tiens, oh, ça doit coûter cher les grenades. C'est marqué où, shotgun? Je vois pas. Je dis, ah. Bah, allez, j'en achète une symbolique. Ah, bah non, c'est un lot de 3. Bah, ça va. Pour le prix. Tu regardes le type de munitions? Oui. Ok, attends. Ah, oui, merci. C'est une arme grise, donc ça m'intéresse pas. Ouais, elle est pas mal. Je vais quand même l'acheter parce que là-dessus, j'en ferai rien si je meurs. Regarde, on se tire 7. Ouais, c'est pour moi. Et à côté, c'est quoi? C'est les grenades? Oh. Il y a un avis d'un gamin manquant. D'une demoiselle, Amanda Ray. Oh, pas si gamin que ça, 21 ans. La fille parmi nous, c'est petit Seb. Non, mais l'avis de recherche sur le mur. Après, ouais. Vu qu'elle joue une fille, ça peut être petite Sabrina, je sais pas. D'accord. Comment t'arrêtes? Demandez à l'intéressé ce qu'il en pense. Je vous merde, ça te va? D'accord, ok, j'ai compris. Voilà, des vraies armes.
Appelez-moi Z, comme tout le monde. Je vais essayer quelque chose. Il me faudrait un sujet d'expérimentation. Sujet d'expérimentation dans l'équipe. Là, c'est bon. Que de... Oh mon dieu. Je voulais juste vérifier quelque chose. Oui, j'ai vu ça. Pourquoi j'ai eu chaud tout d'un coup? Attends, ça, moi, c'est l'effet de la sirène, ça. Ah oui, alors. Je chante et ils suivent tous comme des bons petits chiens. C'est quoi la mouche? Mouche! Pourquoi il y a des ennemis là? Ouais, mec, je donne tout! Ouais, mec, des bandits qui traînent. Attends, tout le monde. Nayone, tu veux pas te soigner un de ces jours? Si, mais. Si. C'est secondaire le soin pour l'instant. C'est moi, Christé, la fille. Attends. J'ai besoin de balles de. Bah, j'assume ma part de féminité comparée aux autres. Voilà. Oh, ça y est. Ouais, je vais me soigner, mais il y aura tellement de soins à ramasser un peu partout, donc. Je me soigne, mais c'est pas. Voilà, hop, soigné. Je vais soigner un peu. Hop. Le problème des Skag qui sont plus haut niveau que nous, c'est que leur point faible, c'est seulement quand ils ouvrent la bouche. Et ça, c'est chiant. Mais pour les abattre, il vaut mieux un pompe. Hop, je suis avancé trop. Les sirènes ont des grandes quoi? Qu'est-ce que c'est là? Des grandes oreilles? Non, des grandes nattoirs. Ah, purée. Il y en a un qui les a tirés. Non mais c'était pas ça le sage, c'est que j'étais en train de viser et au moment où je tire il y en a un qui les a tirés, du coup le mec a bougé et j'ai tiré à côté. Ah. Un sadique. Il m'a feinté. Si on va à droite, il y a un repère. Mais on doit aller où en fait là? On doit aller là-bas. On doit retourner voir le bargo là-haut avec son petit. J'ai pris un. Mais faut qu'on fasse gaffe parce que c'est là où il y a le Skag boss niveau 10. En plein milieu du champ. Bah écoutez, on va l'avoiner le Skag boss. Merde, il m'a vu. Ah bah il s'est arrêté. Ça pas longtemps. Hein. Il charge. Hop, je suis par terre. Je le re. Attendez, écartez-vous de cette ligne de vue. Voilà, c'est bon. Une égratignure. Bonjour, youngster. Non, il en a plus non plus. Je pensais pas qu'il allait rester là, dites-moi. Encore par terre, wow. Il m'a mis un crachat, il m'a pété mon pied, il m'a mis à 2 PV. Alors, en gros, on l'éloigne, on meurt et on revient là comme ça, on est tranquille. On se planque, on dit c'est bon, bah souris. Eh, on l'a presque tué à moitié. C'est bon. Non, il y a son copain, il y a son. Son... Et du coup, je suis mort juste avant de te sauver. Oh, c'est moche. Il est sur qui là? Il est sur moi et j'ai Psycho. Sur l'énoncé. Voilà, je suis rené, j'ai été régénéré. Non et... Non, putain d'enculé. Non. Bon. Oui. Oh le bordel. Le coup, hein. Mais en fait, je comprends pas comment il est venu jusqu'ici, cet abruti. Bah on a dû tirer à distance ou... Non, parce que on l'avait largué loin là-bas, et après il était revenu juste devant le campement. Et merde. Ah c'est bon, par contre faut pas rester trop longtemps à côté parce qu'il va venir sinon. Ouais, par contre on est tous éparpillés là, c'est pas terrible. Je vais retourner là où il y a le Skag de la mort là. Non mais il est plus là le Skag, je l'ai un peu éloigné, il est du côté du petit canyon. D'accord, je vous attends près du bargo. Justement, je te cherchais. Le problème c'est que... Ouais, moi en passant je me suis fait tirer dessus et... Les autres en passant ils vont la tirer lui.
Mais s'il se repointe, j'ai le bazooka. Oh, mais il le tape. Non, mais c'est bon, là. On va laisser se débrouiller. Attends, peut-être pas tant que ça, parce que là, ils l'ont presque tué. Ah, oui, il est presque mort. Je vais m'attirer vers lui. Hein. Je vais me le faire. Fais gaffe à toi. Hein. Ouais, bien joué. Et on a gagné combien? Je suis niveau 5. Ça nous a fait gagner un niveau. Oh, quelques points d'XP. Ouais, bah non, toi t'es niveau 5, mais pas nous. C'est nul. Ah, comme quoi, il y avait pas de bug tout à l'heure. Non, ouais. Non, mais c'est pas un bug. Il y a un truc qui fait que. Après, de toute façon, on peut se permettre, je pense, d'avoir un ou deux niveaux d'écart. Hein. C'est peut-être pas ça qui fait la. Ouais, la mais c'est relou. Bonjour Aerostar. Bonjour Aerostar. Voilà. Il tronche, lui, c'est génial. Vous avez vu pourquoi il est assis tout le temps sur sa chaise? Ouais, il manque une jambe. C'est... Voilà, on n'attend plus que. C'est bon, tout ça. Hein. Oui, c'est bon. On lui parle? Pas besoin, je crois qu'il faut qu'on aille ailleurs. C'est déjà fait, hein. Ok. On a vu tout à l'heure que ça donnait l'XP quand même, donc j'étais à côté, j'ai parlé. Si t'as besoin d'un truc, n'importe quoi. Il y a quand même des problèmes de précision. Moi, je tire 3 à roquettes, ça me plaît pas. Allez, on fonce, on défonce. Bon, comme j'ai un peu d'avance, je vous laisse blaster un peu les. Non, mais je pense que ça change rien. Ouais. C'est pas possible. Ah, bah attends, je vais faire ça. Je vais charger, ils vont sortir et j'ai utilisé ma compétence. Attends, ça n'a pas marché, ils sont tellement faibles. Ah, je suis en mode berserk. Là, je prends dans le cas. Ouais. Et ma compétence se recharge dans combien de temps? Ah, marqué. Ah si, c'est marqué en bas. L'explosion jusqu'ici. Mais c'est pas moi non plus, mais j'ai tout vu, mais je dirais rien. Je mets à jour ton système écho en notant l'endroit où il est. Reviens me voir quand tu l'auras fait exploser les couilles. Attention, on va voyager. Hop, on est tout, on charge tous. Et dis attention une fois qu'il a lancé le voyage. Ouais. je suis fourbe. Hop. C'est quoi ça, la petite mission de stockage? Ah, ça y est, des kits pour... Ok. Besoin de vous faire soigner. Putain, c'est cher. Ouais, mais regarde les niveaux qu'il y a dessus aussi, parce qu'il y en a, ils coûtent cher, mais vu le niveau que t'as dessus... Ah, il y a des kits optionnels. Ouais, les améliorations pour les kits optionnels maximum de munitions. Alors c'est oui, c'est les kits DAL, justement, kits optionnels. Ça permet d'augmenter le nombre de ce qu'on possède comme munitions, ouais. Capacité de munitions totale. Mais pourquoi on se fait échappe ça? Un tireur d'élite sans mode de précision, c'est juste un gars avec un flingue. Trouvez le mode le mieux adapté pour vous. Bonjour Twinsen. Bonjour Twinsen. Vous êtes toujours tous là? Ouais, j'ai. Que je voyais que tout le monde était immobilisé. Bon, là, j'ai pas besoin de soins. Nous faisions nos achats. Je sais pas comment c'est. Maintenant, c'est Nayonek qui fait ses achats. Ouais. Je regarde, il y a des trucs intéressants. Bah oui. Il y a le bouclier spécial qui est pas mal. Ouais, mais le bouclier spécial est niveau 10. Hein.
Il est pas d'ici là, t'as le temps de trouver bien mieux. Ouais. Il y a les kits de soins instantanés et les kits de trousse de soins qu'on peut utiliser en plein combat. Ouais. Bon, moi je suis prêt. Attends. J'ai acheté ce bouclier là. Ah mince, j'ai pas assez. Hein? Attends, non? Comment ça j'ai pas assez? Ah oui, j'ai pas assez. Non, c'est bon. Skag, on approche devant. Pourquoi je trouve ça? Mais tu en as un coup avec mon. Ouais, j'ai dû ouvrir la bouche au moment où je tirais et j'ai visé pile poil dans la. Dans la blotte. Là où tu t'as sauté dessus! Ouais, j'étais aussi sur le français. Mais avec ce flingue, il a abusé quoi. Il y en a encore. Il me manque le visage. Encore. Oui, c'est un truc à ramasser. Beurre. Et un excrément de Skag. Je sais plus de quel côté on doit aller là. Ah oui, il y a ce côté là à fouiller, et ensuite je crois qu'il faudra aller de l'autre côté, mais je suis pas sûr. De toute façon, c'est indiqué les objectifs en forme de losange. Après, pour voir les autres, il faut d'abord tuer les mobs d'un côté. On est amusé à faire ça. Oh, hop, il y en a un autre. Ouais, c'est pas fini. Alors, attends, 2 secondes. Je vais changer d'arme. Ah. Ah, il y a un truc ici. Ouais, et l'objectif. Oh! Des armes allégées, servez-vous. Le loot! Regarde les snipes. Ça, il est où? Il y en a un. Moi j'en ai un là et j'en ai. Ça, c'est un pompe. Comment je peux le comparer moi? Attends. Non, il est moins bon que ce que j'ai. Un petit byboard de la part du sale. Bon, oui, pardon. Oh, j'ai envie de bailler aussi. Oui, bah c'est contagieux le baillement. C'est instinctif. Où est-ce que je vois vos niveaux? Ah, 4, ok. Non, ils sont pas top. Mes flingues sont meilleures. Mais on peut pas les prendre pour les revendre? Si, je peux. Si, prends les trucs gris et puis tu les vends, mais ton inventaire est plein. Et puis avant qu'on tombe sur un marchand entre les missions, on peut se passer un inventaire plein. Ouais, mais là il y en avait des marchands du but, normalement tout le monde s'est vidé les poches. Ouf, ouais. J'ai pas dit normalement. Ouais. Il faut toujours vouloir devenir meilleur. Ah! Sadique! Ma puissance est sans limite. Sniper. Ah mais il a que 3 balles le sniper, je comprends mieux pourquoi j'ai pas le temps de tirer. Ah, bien fait de changer de charrette. J'ai tout défoncé. On a tout défoncé, pardon. Je vais tout casser. Tout casser. Foutu tout. Voilà. Bah yo mon petit flingue. Bah rends-moi mon petit flingue. Il me met que les... Tu vas être confronté à ton dernier vrai défi. Il y a un truc par là. Je regarde, j'espère je vais... que tu t'es suffisamment. Ah, il y a trop de monde. Ah. Fais attention parce que si t'appuies juste une fois pour récupérer un objet, ça te le met dans ton inventaire. Si tu maintiens la touche, ça remplace ton arme. C'est ça. Ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Bon. Voilà. Bon. Ah, je retrouve mon petit flingue.
Et on doit aller par là, ouais, on doit aller par là. Il y a double objectif. Ah, ça me rappelle des souvenirs. J'y avais un petit peu joué. Les petits pots. Je m'étais arrêté en fait à un canyon où il y avait plein de tentes. Et fallait sniper le chef. Et j'avais réussi, puis je m'étais arrêté. Yannick, et oh merde, j'ai pas vu. Mon pot de ma barre de santé. Ouais, c'est bon. Bah, ça se voit ce qu'il fait. Il meurt. Oh non, level up, ça y est. Eh bien, je suis encore mort. Qui en peut m'aider, s'il vous plaît? Allez, du coup, c'est quoi le pilote? Merci. Merci, ouais, je t'en prie, mais de toute façon, on fait juste. J'attendais que. Par contre, je ne sais même pas. On n'est pas compé. Ah, il y a des munitions ici. Oh, j'avais pas vu. Oui, vous pouvez vendre des armes que vous avez en trop aussi. Les armes qui valent rien. F, ok. Bah, j'ai vendu toutes les armes qui m'intéressent pas. Le bazooka, je gardais cette arme pour plus tard. Je sais jamais si on a une meilleure parce que je voulais 3 armes. Je sais plus à quel moment on a 3 armes en 4 dans l'équipement. La troisième, elle vient assez rapidement, il me semble. Là, je récupère la moitié de mes PV. Enfin, il drop des descentes, instant descente, instant heals. Et la santé instantanée. Attendez. Là, rien à la. Il y a le sage qui est pas avec nous. Okay. Si vous voulez, il y a de la santé, n'achetez pas de santé, il y en a par terre là. Ah bah, vous êtes déjà à toc, donc j'aurais mis. C'est chaque là-bas. Oula. Il y a des airs un peu de. Il est marqué Pando. C'est quoi Ouais, ok. Pardon, j'ai shippé le flingue. Ouais, mais faut là, va falloir qu'on communique plus pour les armes parce que. Oui. Moi, je les prends pas, je vous laisse vous servir en premier. Hein. Ah. Ouais, mais justement, en vrai, il va falloir se décider sur les armes qu'on veut prioriser. Bah, mais... je veux shotgun pour moi. T'as ouvert ? Ouais, moi aussi, je suis shotgun et snipe en général. Attends, si je prends une arme, est-ce que je peux la rejeter, je pense ? Parce que oui, les munitions, elles sont partagées entre toutes les armes. C'est-à-dire que. Voilà, j'ai si rejeté l'arme au sol. Admirez l'arme au sol, je l'ai jetée à terre. Et parce que celle-ci. Ah, mais ça serait presque en plongeant, mais je sais pas, toi, Nash. Le veux. Non. Ok. Non, je cherche un sniper différent parce que là, je supporte plus mon truc. Comme je serais au cas, ça serait. L'armure dans le. Ah, il y a une armure, ouais. Est-ce qu'elle intéresse quelqu'un? Non, vas-y, prends-la. Moi, ça m'intéresse pas. Bah, moi, j'ai déjà la même, en fait. Bah, à revendre. Et tant le sage. Le sage l'a pris. Oui, ça va sûrement me plaire. Merci. Alors, merci. Et ce qu'il fallait, le sage, c'est regarder si elle était meilleure que la tienne, pour savoir si tu la voulais ou pas. Oui, je confirme. C'est bien mieux. Tout est passé en vert, la flèche vers le haut. Ah, ok. Ah, j'arrive pas à mettre. Ah, il y a un boss, je crois, là. Bah, ouais, on peut pas remonter. Il y a même le casier de récompense là-bas. Vous êtes prêts? Attends, tu es psycho. J'aille. On va tous mûrir. Ouh, attention, ça va castagner. Une arène de baston. T'as fait chier la mauvaise personne. Moi, j'ai passé en mode berserk et je vais te taper. Oh, les tétons! Les tétons, ouais. J'envoie le piaf. Attention au skag aussi. Il s'appelle Index. oui, c'est l'orteil qui manque. C'est bon, j'ai donné des coups de poing, mais c'était inutile. Ouh, le crit que je viens de lui mettre. Voilà, j'ai descendu 9 orteils. Ouais, mais maintenant faut descendre les. Le petit doigt. Il y a un fusil. Oh, le fusil d'atout. Je vous laisse choisir les trucs. Prenez ce que vous voulez. Bon, le mode berserk, ça avouait. Là, il y a une arme élémentaire. Là, s'il y a quelqu'un qui veut. Je laisse prendre en premier. Ça, c'est quoi? Waouh, tout est meilleur que ce que j'ai. Je peux le prendre?
Vas-y, prenez, moi je prends ce qui reste. Oh, oui, je demandais aux autres aussi. Oui, les autres aussi, prenez. Moi j'ai fait déjà une fouille des lieux. Oh oui, ça me plaît cette arme. Ça fait quoi? C'est un petit pistolet. Et regardez là où on est, les Nancéens. Quand je dis ça, Nayonet, il bouge tellement qu'il est déjà à l'autre bout de la carte. Ouais. Enfin, là où je suis, il y a plein de munes pour ceux qui veulent faire des munes. Il y a quelques munitions. Mais j'attends tout le monde avant d'ouvrir le casier de la caisse de récompense. On arrive. Nayonet qui décidément aime ne pas avoir de PV. Oui. Bon, de toute façon. Les monstres, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils drop de la santé. Donc, C'est bon? Oui. Vraiment, quand je comme ça. Bah, sur les 4. Oh, la déception. C'est pas un peu nul? Bah, y'a un pompe, tu voulais un pompe. Y'en a un? Ah, bah, je vais le prendre alors. Hop. Si c'est nul, je le prends. Un flingue, allez-y. Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue. D'accord, c'est un pistolet automatique. Ah. Au rapport. Au rapport. Il replace un mode de grenade. Ah oui, tu regardez comment il est mort. Oui. Oh oui, il y a une caisse cachée ici. Qui c'est qui voulait un sniper déjà? Pense celui que tu veux des deux, le meilleur des deux, je regarderai moi pour le mien. Yonet, en fait, ton tout fou, t'as la barre de vie qui est. Oh balle, mais sérieux, mais c'est. Oui, qui est mal. Moi, j'ai un peu de bouclier. Ben, la quantité de vie, ça n'a pas d'importance tant qu'on évite les balles. Au début, ils ont tous très peu de balles. Hein. Mm. Ce sont les snipes. Donc. Merde, j'ai tiré sur le truc, j'ai mis clic. Il est dangereux. Oh. Et là, oh, je me lève. Oh, je tape tout le monde. Bing. Ah. Oui, voilà. Je lui ai envoyé mon pigeon, tu vas voir. Ouais, mais t'as raison. Tu je te montre moi, regarde, essaye de savoir où je suis. Allez hop là. Ah, une oh, Cortana. Téléportation. Salut. Oh le vilain. Je pensais pas que ça montrait direct en fait. Bonne journée. Bonne journée. Passer par là, non, je peux pas. Obligé de passer par là. Je voulais passer par le toit. Bah, j'ai récupéré ma santé. Comment ça se fait? Ah, quand je fais le berçage, je récupère la santé. T'as pas un bouclier qui régène ta santé par hasard? Je vais te dire ça. Ouais, mais à ce niveau-là, ça irait pas aussi vite. Y en a pas, il y en a pas tu beaucoup. Tu as franchi la première étape de ton périple. Non, c'est un truc classique. Écoute-moi bien. Juste un truc qui encaisse les gars là. La première chose qui compte, c'est que l'arche existe réellement. Les gens te tromperont. Ils essaieront de te manipuler. Ouais, t'as raison. Parle. Tu vas voir quand on va venir te chercher, toi. L'arche est ici et nous la trouverons. Ce monde est plein de périls. Endurcis-toi et avance. Je t'observerai. Alors j'arrive. J'arrive. Ah vous êtes là. Vous n'étiez pas là. Veuillez bien améliorer le monde. Ouais, les mods, si vous les achetez pas tout de suite, de toute façon, il y aura des plus gros plus tard et oui. On n'a pas besoin d'acheter les précédents pour avoir les suivants. Donc prenez pour vos armes actuelles. J'en revenu. Tu seras niveau 15, Nash. Tu seras niveau 15, Nash, je te donnerai une arme à un sniper qui m'intéresse pas en fait. Bon, attends, je vais tout de suite. Ça tire partout. De quoi? J'ai un sniper. Non mais. Oui. Non mais.
Quelle est mon arme? Pourquoi j'ai pas d'arme? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah, c'est chiant. Ça brûle du feu! Voilà, tu disais, tu as dans ton inventaire. Attends, je. Mais pourquoi je peux ramasser. Attends, je vais te donner ça. Je parle 2 secondes, je règle mon truc. Est-ce qu'il y a un... Bonjour Bastos! Bonjour Bastos! Salut Bastos! Bonjour Bastos! Mais pourquoi je peux pas. J'ai pas de munitions là-dedans? Mais. Shotgun. Revolver. Non, y'en a pas en fait. Y'en a pas. Tu cherches quoi comme munitions? Les munitions de Bruce Rocket. Ah, bah non. Si. Non. Non, y'en a pas. Non. Non, non, pas au début. Au début, t'as pas de munitions de lance-roquettes dans les distributeurs. Alors tiens, Nash, c'est pour toi. Ah bah attends, pour échanger, c'est où? Ah mais faut que tu poses par terre, je pense. Ok. Ouais, c'est inventaire, tu dois avoir une arme. Le T, c'est... Espace. Espace. Tu cliques sur un truc et voilà, j'ai jeté ça. Prends-le. Tu le veux pas, je le récupère. Parce qu'il a... Ouais, il est niveau 15, je pourrais pas l'utiliser tout de suite. Oui, c'est pour ça que je te l'ai donné, je voulais te donner plus tard. Ouais, mais du coup, en fait, non, je sais pas ce que je vais trouver. Non, mais garde-le, t'embête pas. Ok. Ouais. Je le donnerai au niveau 15, d'accord. Pour un moment donné, je pense, on trouve un truc où je sais pas trop, mais... Mais j'ai pu acheter des munitions à la base du début, en fait. Ah, il y a quelqu'un qui a pas suivi. Ah oui, tu m'étonnes, c'est vrai. Plein de skag. Mais pourquoi j'ai tiré en pleine face et ça a rien fait? Aucun dégât. De toute façon, les skag ils prennent vraiment des dégâts avec que quand ils la boule ouverte. Oui, c'est pourquoi? Parce qu'il est. C'est pas contre les skags. Lol, je suis niveau 6. Gros. Oh. Gros avantage. Ouais, ce snipe il fait vraiment masse dégâts. Hein. Ouais, snipe au corps à corps. Attention les bestiaux là. Oh putain les pigeons. Tirez. Il m'attaque. À l'attaque. Je sais pas si c'est moi qui l'ai d'abord ou si c'est vous, mais en tout cas on est efficace. Oh, c'est pas vraiment d'importance. Un peu tout le monde en fait, je crois. Là. Ça arrive. C'est plus court par là ou pas? Ah, c'est une grenade. Sautez pas, hein. Ah bon? Ça fait le tour? Bah, c'est sur la gauche. Non, sautez pas. Est-ce que justement on fouille cette petite zone là qui est. Celle dans son coin là. Celle-là aussi. La li le li le la. Il est où lui? Ah mais ils sont en bas. Attendez, c'est où le... Ah c'est là le passage. Le passage. Le petit il est bon en pierre. Ah oui, il y a une caisse là-bas. Comment tu l'as sauté? Ouais, il a fait une attaque de ninja là. Ouais, moi je l'ai vu de dessus là, c'était impressionnant. C'est vraiment excellent. Mais il est même quand il ouvre la bouche, j'arrive à les tuer d'un coup, enfin quasiment. On récupérera le loot après, on va d'abord fouiller la zone qui est par là. Il y en a qui sont sur ton plan. Ah, c'est... Moi je suis passé au niveau 6 aussi. J'ai repéré un truc de santé.
Vas-y le sage, on défonce. Il faut rien faire. Eh, hey, y'a du graviste de mener de petits chiens. Je sais pas si je passe, mais je suis pas. Comme de tirer correctement. Alors je retire plein de points de vie, ou c'est toi qui retire plein de points de vie, il reste. Et y'en a, faites gaffe, on va s'en prendre par derrière, y'en a plusieurs qui sont en train de faire le tour. Sur la... Regardez sur la map, ils sont en train de faire le tour, ils sont en train de venir. Ils nous contournent, les malins. Petite futée. Je veux monter sur le rocher. Accroupi sur le rocher, je serai bien. J'en vois un par là, la mob. Attends, bouge pas, bouge pas le sale. Je prends une photo. Ah, si tu veux. Ah bah. Voilà, c'est bon, j'ai pris deux poteaux. Allez, après, t'es mort. Il arrive. Je deviens plus fort à chaque instant. Sur ta gauche, je pense. Vous voulez vraiment les tuer? Ok, allez-y. Non, comme tu le fais, on va juste les prendre en photo. L'autre, il a fait le tour, il va arriver. Il va passer de l'autre côté. On a le droit d'en provoquer 2-3 quand même. Ah voilà, Nash m'a compris. On a le droit de sacrer un peu quand même. On va bien les taquiner un peu. Alors, compétences. On a un petit peu réduit la population, je pense. C'est vrai que la musique, elle était belle au violon. Et attendez. Ça peut faire mal, non? Il y en avait un qui est apparu. Il était énorme. Il y a un gros coffre là-bas. Oui, il y a un gros coffre. C'est Petit a proposé d'abord de tuer tous les skags avant de venir rechercher. Là. C'est pour ça que je proposais en fait. C'est pour ça que quand on fait une map, tu vois, là on vient une map pour une quête, mais il y a la moitié de la map qui nous font pas visiter. Donc tu fouilles, tu visites, tu récupères des trucs. Après, tu regardes si tu vois que t'arrives dans une zone où les mobs sont plus haut niveau que toi, c'est peut-être que c'est pas pour tout de suite non plus. C'est pas faux. Faut pas y aller. Faut pas y aller du tout, même en montant par là. Voyons si la chance okay. Ouais, faut te regarder là, tu essayes de. Je tombe. Je suis tombé. Alors il propose un sniper, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la merde. Regarde Nash. Eh merde. Je suis dégoûté, chef. Quelqu'un veut faire le sniper. Il a une meilleure cadence de tir. Il fait moins de dégâts, mais il a la meilleure cadence de tir. Faut voir le DPS. C'est dommage que le DPS n'apparaisse pas. Vous reviendrez pour rien. Mais non, de toute façon, il a que 3 balles dans le barillet. Donc... Ouais. Bah, prends-le pour le vendre quand même. Bah, alors je prends moi parce que j'en ai pas. Ah merde, attends, bouge pas. T'es où? Ah, attends, je vais te donner. Après, si on est trop au snipe, on va se battre pour les munitions. Eh ben non, je l'ai pas l'arme. Bah... Tu sais qu'il a récupéré le sniper, je l'ai pas dans mon inventaire. C'est moi, du coup. Alors. Oh, t'as été plus rapide que moi. Peut-être que je me trompe. Tiens, tu le jettes au sol. Non, mais tu voulais le prendre. Prends-le, justement. D'accord, peut-être que je me trompe, mais le... C'est pour ça que je pensais que c'est moi qui avait eu le temps de le récupérer, mais pas. Mais du coup, c'est bon. En tant que berserk, je vais prendre une arme qui est puissante de près. La sirène, je crois que c'est un snipe. Le Nash... Non, c'est mort légal, c'est un sniper, normalement. D'accord, et celui qui est le soldat, normalement, c'est une arme à fusil d'assaut, je pense. Après, je me trompe peut-être. Hein. Oui. Mais logique, par contre, la cité. Maintenant, on peut sauter, hein, du coup. On saute. Je crois qu'il restait une grenade. Personne n'avait besoin de grenade. Non, vas-y, récupère. Attends. C'est moi, je veux voir ma compétence. Là, qu'est-ce que je prends? Oui, alors, votre compétence, oui. Appuyez sur la touche I, je crois. Non, c'est la touche. Oh, vous êtes tous niveau 6. Faut que je change ça. Alors, compétences. Alors, il dit que j'ai 2 points restants. Et je suis tenté de lui. Oh, je peux déployer une tourelle le Scorpio. C'est bon ça. Je vais prendre dégâts au corps à corps plus 6%. Augmente la durée de la furie. Moi j'augmente mon. C'est maximal. Oh, ma tourelle pour régénérer les munitions des armes actives des alliés à proximité. Elle donne des balles, c'est complètement craqué. Oui, mais t'as aussi une compétence, je sais plus sur quelle ligne c'est, qui fait que quand t'as des alliés proches de ta tourelle, ça régénère leur PV aussi. Exact, je suis dessus. Plus 1% de santé par seconde. Pas mal. Alors là, la vraie question, c'est est-ce qu'on fouille le reste de la zone ?
Bon, on aura l'occasion de la fouiller à nouveau. Ouais, je crois qu'il y a une quête de l'autre côté. Et de toute façon, on fouille la zone, mais quand on recharge la partie, tout va réapparaître. Oui, même si tu sors de la zone et que tu reviens, tous les mobs réapparaissent. Oui. Oh mon dieu. Exactement, Bombastos, c'est Bordel Land. T'as tout compris. C'est Bordel Land. Et bienvenue sur Pandora. Nous sommes à Squad Gully, dans Pandora. Ah, c'est quoi, c'est on a perdu quelqu'un. Il est... Ah, objectif. Non, c'est moi, pardon, je suis resté sur la montagne en train de méditer. Attendez, j'arrive. Et si tu fais le voyage, normalement ça le fait automatiquement, ça l'impose à tout le monde, je crois. Oui, mais comme il y a les marchands juste avant, ça peut être utile. Ah, oui. Il y a Nash aussi qui est immobile. Ouais, pardon, je regarde mes compétences, en fait. Bim ! J'ai pas le niveau, mais bon, tant pis. Hein. Encore une fois, je suis à la traîne, derrière. Non, mais t'inquiète. Non, il manque pas grand-chose. Franchement, il manque pas grand-chose. Donc ça, je le virerai. Ça, c'est un peu chiant qu'on puisse pas se traverser, surtout quand on va sur les... Bah j'avoue, quand t'as un géant qui fait 3 mètres de haut, 2 mètres de large, c'est un peu... Complicado. Il est gros, il est grand, il est musculeux. Il a mangé beaucoup de protéines avant de venir. Moi, j'ai mangé des pâtes ce matin. Au petit déjeuner. C'est peut-être pour ça. Oh, j'en ferai peut-être une photo sur mon Discord. Quand je suis allé faire mes courses cette semaine, je suis tombé sur des pâtes que je ne connaissais pas encore. Alors, tricolores dans le sens qu'il y en a aux épinards et puis aux tomates. Donc, ça fait vert, jaune et rouge. Mais c'est leur forme que je connaissais pas. Je vous en ferai sûrement une photo par curiosité. J'étais intrigué du paquet. Dis, tiens, je vais me faire plaisir. Je vais goûter ces pâtes-là. Alors. Jacob Cove, Londerdome, Bun Junction et Tartarus Station, il me semble que c'est les DLC, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout. J'ai... DLC. Non mais oh. Regardez. Non, c'est Arid Badlands qu'on doit aller normalement. Non, mais c'est ce que je dis parce que là on a le voyage rapide est débloqué et il y a les destinations, il me semble que c'est les 4 DLC du jeu. Je vais te dire ça. De consulter. Attends, fais voir. C'est Claptrap, Mad Moxie, le secret de l'armure et les zombies Iceland. Donc c'est pas ça les DLC. Je crois pas. Enfin, mais ça va être les lieux. Oui, ouais. Mais c'est le nom des lieux du DLC, donc normalement. Okay. Enfin bref. Ok. L'Underdome, okay. C'est sûr, ça. Non, je peux pas voyager. Ah, trop tard. C'est rigolo. On voit me barrer sur le truc. Allez, hop, là il y a les mobs qui ont réapparu. Oh, c'est tout. Voyons que t'as des bons sous. Et là, les mobs, tu sens qu'on a monté de niveau. Oui, effectivement, j'ai plaisir de me les faire au petit flingue. Ah, ça devient bon là, oui. Je me sens moins. Il fallait envoyer plusieurs balles. Ouais, je me sens moins faible. Ça fait plaisir. Oh, je devrais avoir honte de leur tirer dessus dès qu'ils sortent du terrier quand même. Mais j'ai pas honte. Mais c'est une technique comme une autre. Oui. Mais en fait, je veux juste gagner mon niveau. Ah oui, t'es niveau 5. T'étais avantagé au début, mais là t'es le dernier. Ouais, ouais. T'as exaucé leur prière, ils ont vu la lumière. C'est boité, oui. 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 Oh, Nash, niveau 6. Enfin. Bravo. Alors. Nayonet, t'en es où de ta barre d'XP, toi? J'en suis à presque à la moitié du niveau 6. Moi, je suis okay. Au tout début du niveau 6. Comme Nash. Moi je suis à peine plus de la moitié.
C'est incompréhensible comment on monte les niveaux en fait dans ce jeu. C'est aléatoire. Allez, non, je pense qu'ils ont voulu faire un truc, mais bon. Un peu. Ok, c'est bon. C'est pas si fréquent d'avoir des compagnies ici. On est près du boîteau. Chaque minute qui passe, je dois devenir plus forte. Ah mais d'accord, c'était là-haut. Ah oui, moi ça me monte au niveau 7. Ah bah d'accord. Il faut qu'on retourne en bas du coup. Tu repasseras, hein. Retourne en bas. Faut qu'on retourne voir le bon docteur. C'est celui qui s'est fait virer parce qu'il aimait trop charcuter les gens. Il serait dû le garder. J'avoue. C'est qui? Ah, mais c'est toi, bon. Pour vous rattraper. Et comme Minecraft, l'astuce, j'ai l'impression que c'est la même astuce. Faut sauter pour aller plus vite en courant. Tu t'entendrais bien avec Maïs, Maïs. Elle adore cette technique, moi ça me rend fou. Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Je vais juste regarder magasin d'armes. Oui, Philo. Ah oui, tiens, j'en ai une arlante, je crois. Ceci est un mode de grenade. Il pourrait y avoir des surprises. Ouh, un Vladov avec 6... Cherchez attentivement les divers modes de grenade afin de rendre votre arsenal... Santé, c'est bon. Je vois pas ce que je peux... Pourquoi on voit pas l'amélioration? Il y a beaucoup de fusils d'assaut, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bandit au milieu du camp, au calme. Moi, il fait 96, mais... Ça va bien, ouais. Ah, je savais même pas que sur moi, j'avais des grenades à son mission. Vous venez pour quoi? C'est pour ça qu'ils font mal, les grenades. Putain, tu m'étonnes. Non, en fait, t'as les grenades et t'as les modes de grenades. Les modes de, le mode de grenade à soumission, on vient juste de l'avoir quand j'ai validé la quête auprès de Z. Ah, Mickey. Putain, mais il commence à me faire chier, là. Kiki, à Kiki, à allez, Kiki. Je pense que je vais me porter par ce truc-là. Il est en train de gagner un peu de niveau, petit Seb. Et c'est le troisième. Il vient nous casser les couilles pendant qu'on est en train de s'occuper d'autre chose. Voilà, c'est mieux. Je crois que ça fait partie de la mission. Oh, j'ai multiplié par deux ma cadence de tir. Oh, je suis content. Mais non, mais c'est trop tôt, Claptrap. On peut pas trouver l'arche maintenant. Il est fou. Là, il y a les munitions de roquettes. Roquettes. Alors, quand on était tout à l'heure dans la mission dans l'autre partie du monde, on y avait accès au mode d'armes, c'est-à-dire plus de munitions. Et là, on a accès au... Contrairement au mode d'armes, on a plus accès au mode d'armes, on a accès au... oh. Aux munitions de roquettes. Et ça dépend des zones, en fait. Oui, je vois ça. Oui, la grenade sous munitions, quand tu l'as lancée, ça lance plein de petites grenades. Il propose quoi? Oh ouais, mais c'est pas un truc à sous-munitions, ça m'intéresse pas. Les terres arides. Oh la vache, c'est grand les terres arides. Sur la carte. Oh la vache, je me souviens pas que c'était aussi grand. Vous venez pour quoi? Tu trouves ça grand? Oui, je laisse mon spectateur voir comme c'est grand. On a pas encore tout vu. Pas rassurant. C'est vrai que les terrains de jeu des Borderlands, c'est plutôt pas mal. Mmh. Mmh, pour le moment, je trouve que le jeu est très très bien pensé. Il faut prendre le temps de le prendre en main, mais waouh, je suis impressionné. Ah, mais on est qu'au tout début du jeu, hein. On est encore à moitié dans le tuto. Hein. Ouais, tant mieux. Nous, on avance tout doux à notre rythme, on n'est pas là pour courir. Oh oui. Non, elle a pas meilleur bouclier, c'est bien aussi. Alors les
étoiles sont m'appeler en transition. Si vous avez besoin de moi. Vous avez ce que vous voulez. Alors, tirez-vous. Ah, il y a quelque chose de non découvert sur la carte. C'est vrai que nous ne sommes pas allés si loin. Eh, hey, c'est pas ce que tu regardes. Eh, bah, je sais ce qui fait la putain de différence. Oui, entre notre... c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est les défis. Ah, quand on remporte des défis personnels, on gagne de l'XP, ouais. Une XP qui est propre. Ok. Alors, défi, qu'est-ce que c'est ? Ouais, est-ce que j'ai réussi à faire tuer 10 ennemis de suite à intervalle de 7 secondes maximum. Après, ta folie meurtre. Et mon maximum, c'est 12. Après, il y a un succès à 15, il y a un succès à 25. C'est, ça doit être quand j'ai balancé des grenades au milieu des skeks, ça m'a tué plein. Il y a des expertises d'arbres. Ok. Quand vous allez dans le menu, quand vous sélectionnez l'icône personnage, vous avez expertise en armement. Oui. Plus tu utilises une arme, plus ça monte. Et donc plus tes armes sont puissantes. D'accord. Donc faut bien choisir la bonne arme. Ouais. Alors, le tableau des primes, voyons voir. Les armes iridiennes. Autolock. Ah, ça c'est la bagnole ça, yes. Eh, hey, c'est bien toi qui butes les créatures à la demande ? T'es complètement saccagé ! C'est une zone de guerre ! J'aimerais que tu fasses quelque chose ! Scooter, le chanteur du groupe allemand, là, d'électronique que j'aime beaucoup. Hager, Faster, je crois qu'il y en a plein d'autres. Ouais, mec, je donne tout. Ouais, on a deux quêtes. Il y en a une, c'est d'aller chercher une voiture, et l'autre, c'est d'aller voir TK. TK, c'est le mec avec sa jambe en moins. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord la quête secondaire et après, on passe sur la principale ? Non, mais c'est, de toute façon, c'est que deux quêtes secondaires là, non ? Non, regarde, ouais. Quand t'as regardé les quêtes, il y avait deux symboles différents. T'as le symbole de l'arche et t'as le symbole avec une roue dentée. Du bloc, oui. Alors. Il y a le body block dans le jeu là. Même quand on veut, on peut pas traverser un allié. Oh la violence. Pas qui a fait ça, mais ça fait un gros dégât. Et puis d'un seul coup, j'ai giclé. Ok, comment mousseler. Oh, on va aller voir TK d'abord. Oh, le petit pistolet qu'il a explosé. Oui, c'est abusé le pistolet qu'il donne avec les clés dorées là. Ah, t'as dépensé une clé de loin. Non, je peux pas dépenser une clé. Après, à un moment, il y a l'événement Steam et il y a eu des. Il donnait des clés et puis hop, j'ai obtenu cette arme. Vous allez où là? Ben en fait, je sais pas. Je suis le sas de l'anti. Moi, je fous des cadavres. Tu veux le piaf? Je m'assure qu'il fait bien. Petit bloc, mais. Ouais. Piaf, pour en venir. Petit bloc, ouais. Et donc, t'as eu la clé Steam, t'as chopé une arme spéciale en cadeau, une date voilà, précise. Pendant tout le mois de septembre, ils ont donné des clés sur tous les Borderlands, et puis. Les clés par Borderlands, et hop, on avait droit à une arme par clé. Alors, notre planète. Bon, ça dénature un peu le jeu, mais c'est plaisant de faire un one shot. On a gagné la mission tout de suite. Parce que la mission, c'était juste d'aller lui parler. Ok. Et donc là, il nous donne une quête où il faut ramasser des graines et il donne un sniper en récompense. Et il a une quête où il faut tuer le Scar qui lui a bouffé la jambe et le ramener et il donne un pompe en récompense. Bon. Et ça, c'est justement dans la zone qu'on a déjà visitée juste avant. C'est bizarre parce qu'il me semblait que l'autolock marchait plus vite que ça. Non, je me rappelle quand j'ai voulu débloquer la voiture, ça a pris un peu de temps. Ouais, mais c'est mes souvenirs qui sont un peu. Après, il peut avoir fait des mises à jour de la soir. Ah non. Non, parce que là j'ai la quête, mais ça s'active pas. Oui, je crois qu'il faut aller au suivant, un truc comme ça. Enfin, bon. On va aller là-bas. Ouais, genre. Ah, mais attends, je viens de percuter un truc là.
Trouver la station Autolock à la sortie de Freestone et l'utiliser. Autolock utilisé. Ah non, c'est bon. Bah, c'est ça, normalement. Ah bah voilà. Ça y est. J'ai pas compris. Je l'ai ouvert 5 fois le truc, ça marchait pas. Voilà. Ah, c'est là où il faut aller derrière. On débloque la voiture avant d'aller dans l'autre map. Allez. Allez. Oui. Mais par contre, ils sont costauds là derrière le mur. Hein. Puis c'est étroit. Ouais, je sais plus. S'ils sont trop au niveau, on fera demi-tour. On reviendra après. Ouais. J'ai galéré, mais. Oh, le boss est costaud. Je vais donc activer. Vous êtes prêts derrière moi à charger. Je vais activer ma fonction de. Oui, mais on peut se cacher derrière la tourelle du sage aussi. Hein. Donc, je vais faire un sacrifice. Attendez, hop. Il y a des trucs pour tirer là, il y a des murs. Il y a des parois pour tirer. Le sage, tu peux monter là parce que là, t'es à portée de tir. Oui, t'es en plein temps de courir. Ils sont un peu dangereux. Et oui, ils sont 10 et 12. Ah, j'ai pas réussi à charger. Ouais, là c'est impossible. Niveau 11, même, non, c'est même, bon, avec la, même avec la grosse arme, je leur fais 3 points de dégâts. C'est mort. Non, laisse tomber. Le sage court. Je vais te faire des dégâts. Je suis mort. Oui, comme un chouillon. Bah, niveau 11. Voilà. Courage, fuyons. Ouais. Mais ça va coûter mieux qu'on aille faire les quêtes à côté et oui. Comme ça. Ouais. Atteindre le niveau au moins, ne serait-ce que 9. Ouais, là, au moins, il faut qu'on soit au moins niveau 9 pour faire ça. Et entre temps, on aura sûrement chopé des nouvelles armes. Mais tu vois, le sage, lui, il a une fonction de régène de CPV, ça, je veux que ça barre vraiment tout doucement. C'est beaucoup, je pense, qui fait ça, non? C'est possible. Je sais pas si c'est pas la classe de soldat qui fait ça. Possible aussi. Mais la régène est très 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 légère quand même. Non, mais ça fait plaisir. Bon, ça peut te sauver en gagnant juste un PV au bon moment en baston, mais. Cagulti. Et c'est là qu'on va se fouiller de l'autre côté, je crois. Non, allez. Attends, je vais changer la quête active. Je vais m'équiper en munitions. Donc c'est là, regardez, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des kits optionnels hein, pour augmenter le nombre de munitions que vous portez pour une arme. Donc, ça coûte dans les 600$. Mmh, 28. Et moi, il fait combien mon truc? 11. Oula, non. Ah non, c'est trop cher. J'ai pas d'argent. Ouais, enfin, les deux quêtes sont dans ce coin-là, de toute façon. Pas ce truc. Ça doit être une quête, je crois. Alors, je sais pas si mon public aura remarqué, à mon signal, j'ai fait exprès de pas bouger, mais l'arme de poing que je porte actuellement, le viseur est excellent. C'est-à-dire qu'on a la retranscription dans ma lunette de ce qui se passe dans ma ligne de mire, mais en temps réel. Je pense que vous l'aurez observé, je trouve ça absolument génial. Et on va les reflets. Fais voir, tu verras un coup de visée, le stage, pour voir à quoi ressemble la lunette, s'il te plaît. Avec le clic droit. Oui. Je te vois, petit Seb. Hein. Ah non, on voit pas là, c'est justement ouais. Trop de tout petit. Ok, merci le sage. Non, moi je t'en prie. Oui, alors, c'est les effets de lumière. Ouais. Les enregistreurs. Ah mince, tu l'as récupéré. Bah, j'ai pas pu quitter en fait, je l'ai laissé, mais je pouvais pas faire échappe, alors du coup. Sorry. Du coup, on a récupéré une autre quête, non? Je crois. On va trouver deux autres. Là. Ouais, trouver les enregistreurs. Bah let's go, on va trouver les enregistreurs d'abord, parce que c'est dans la zone qu'on a oublié, donc on la connaît. Ça fait plaisir de pas devoir recharger toutes les
une grosse gomme. Ça change tout. Oh bah ici, il est mort en se posant comme un chat, lui, en se tirant comme un chat, le Sky. Ah, ah, j'ai vu qu'elle m'aime même que moi. J'ai pas eu le temps. Kaboom, baby. Oh oh. C'est dans StarCraft. Kaboom, baby. Je me fais danser. Ah ouais? Kaboom, poupée. Ouais. Je crois qu'on a tué du monde. Non, je tue un bébé Skag. Ah, je l'ai eu trop bien, petit flingue à distance. Trop content. Attention à toi, le sage. Quoi, non, je te dis de faire attention parce que t'es tout seul et que nous, on a tous les trois un peu avancé. Parce qu'on se fait facilement encercler, alors quand on est plusieurs, on arrive à se démarrer. Oui, les coups, je suis là. Aïe. Ouille. Aïe, 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 ouille. Mon dentier est un cactus. Quand vous courez, normalement, vous avez l'arme, le mec qui relève l'arme à votre droite de l'écran. Mais quand vous regardez les autres joueurs, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet effet d'animation. Pas de... Ah, je sais que ça fait mal. Il est effectivement débrouillé. Bon, j'ai pas le temps d'attendre qu'il ouvre la bouche. Le poil, lui. Il y a du monde. J'ai les grosses fesses de briques qui sont passées devant mon viseur. Bien. Oh, yes. Il y a un instant là, s'il y a quelqu'un qu'on a besoin. Personne n'a besoin, de soins. Bah, tout le monde est vert hein, quand on regarde des barres. Oh, quand on regarde... Parce qu'en fait, on voit en haut à gauche les barres des joueurs de santé et de bouclier. Tu as raison. C'est pour ça que je l'achète jamais. Au bout d'un moment, je finis toujours par en trouver. Bon, après, c'est sûr, avoir un PV, c'est risqué, mais. Je fais toujours pareil. Je suis en train de constater que j'ai strictement le même symptôme qu'avec des trucs poupons hier sur son antenne. J'ai une douleur au niveau proche de l'œil et je sais que c'est le sinus qui est en feu. Ah pas c'est du chauffé aussi. Ah oui c'est chiant. Moi je m'entraîne une depuis une semaine, un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Il y a que je sais plus quel jour où j'ai eu une accalmie ou voilà j'étais tranquille et puis. Mais moi en ce moment j'ai c'est l'horreur. Entre le nez, les oreilles. Oui, à la sortie du terrier, vous les abattez, ils sont tous alignés, ils font un tas. Oui, on les abatte, vous les abattez. Clair, là, la péta, ils sont pas très contents. Hein. Oui, à bord. Donc, ne dis pas gros devant, ça va. Donc, attention, on est des sorties, il y en a plusieurs, ils vont être beaucoup. Il est fou. J'ai jamais rien vu de tel. Oh, je sais pas ramasser ça. Bonjour Tomou. Bah oui, t'as vu, on fait des foufous à 4 Tomou. Ah, j'espère que tu vas bien. Descendre par et là. Maintenant, c'est de nouveau de l'autre côté, au même endroit que le reste. Allez-y. On saute. Ah si, quand même. Paf, jambe cassée. Mais bon, c'est l'armure Capri. Ah oui, c'est l'armure Capri. Je suis un peu barbouillé, ton mouf, mais ça va, merci. Et toi? Ça va? Attends, mais ça y a va. Plein de trucs qu'on n'a pas récupérés. Des Skag Crashers. C'est les mêmes qui nous ont boulotté tout à l'heure. Connard.
Aïe. Ah, il m'a vomi dessus. Oh. Oh, ils sont costauds ceux-là. Oui, ils sont costauds. Ah, ils sont plus de notre niveau, donc Tu m'étonnes. Oh, un petit coffre. De la thune. La thune, c'est 80 coffres. De la... Moi, à côté du cactus, il y avait un coffre. Ouais. Ouais, bien joué. Ça contient en munitions. La vache. Il est chiant le squad crasher. C'est par là. Bien joué, merci petit Seb. Je t'en prie. Dès qu'il y a un gros paquet, je vais pas me tirer un grand coup et bim. Là là. L'escouade est déchaînée. Attention des pigeons. Attends, j'envoie le mien. Plus de munitions. À l'attaque, mon coup. Ah, j'ai plus de munitions, super. Oula, je suis trop sûr. Aïe, il m'a giflé. Par contre, le gros, il est tombé dans le trou et le loot est parti avec. Oh les mastodontes. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette variante? Ah bah il est... Y'a pas des munitions de sniper qui se promènent quelque part? Y'a pas des munitions de pistolet qui se promènent quelque part aussi? C'est horrible, on a tout utilisé. Là j'avoue, je commence à être à sec. Bah là y'a plein de tas à fouiller mais Même malgré avoir augmenté une ou deux fois ma réserve de pistolet, ça n'a pas suffi. T'as eu tout l'XP, petit Seb ? Oui, puisque ça m'a fait monter le level. Ouais, putain, bah, j'ai avec son lance-roquette, ça n'a plus rien, là. C'est que je t'en balance 3 à chaque fois. Ah, purée. Oh là là. Je vais en balancer qu'une à la fois, mais je peux pas, je veux tout dépenser. Et j'ai plus d'autres munitions. Je vais vous laisser les abattre. Regarde dans les tas s'il y en a pas. Merde, j'aurais pas dû prendre l'instant soin, il y en a un qui en avait plus besoin que moi. Oh la vache, il y a le vent qui se lève sur Nancy. Qu'il y avait derrière. J'ai mon volet qui vient de chanter. Oui, ça a fait un petit peu de vent, ouais, je vois les arbres. Non, moi le problème c'est que j'ai un habitat exposé au vent, donc en général je suis le premier à savoir qu'il y a tempête. Donc, ah, oops. Voilà la petite caisse cachée là, hop là, 38$. Yeah, bien joué, petit Seb. Oula, c'est quoi ça? Scar niveau 9. Ah, je me fais agresser! Viens, vite, viens vers nous, cours! Faites gaffe, il y en a un gros sur votre gauche. Oh, ça. Ça se voit là-bas. Merguez parti. Merde, j'ai tapé la super fonction, quel con. Fonce sur le mob là-bas. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Ah, mais il est costaud. Hein. Ouais. Je pense que c'est un nommé celui-là. On finit en point. Non, c'est juste un scar niveau 9. Juste un scar. J'arrive. Ah mais d'accord, c'est beaucoup d'autres par derrière. Ah, ouais. Bien joué, on a bien joué, oui, bien. Ça fait un travail d'équipe. Ça fait un bon travail d'équipe. Ah, on a récupéré c'est celui la jambe du gars. C'est celui qui avait bouffé la jambe de TK. Ah, c'était lui. Chargeur vide. Moi, maman, il y a des prêts. Ton munition. Bon.
Oui, oui, tes balles. C'est mon truc. Voilà. Ah. Oh, il y a un snipe. Ouais. Il fait moins de dégâts que le tien, mais il a 6 balles dans le chargeur. J'ai des munitions ici. Qui en veut? Oh, tu sais qu'il fait moins de dégâts que le mien? Bah, le tien faisait pas 80 et quelques? Voilà, j'ai fait moins de dégâts, mais qui avait plus de balles et plus de cadence de tir. J'avais en fait, moins de dégâts encore que celui que j'ai, donc bof, pas terrible. Et puis la précision, c'est à peine 0,9 points de plus, donc non. Alors, je vais pas l'utiliser en tout cas. Personne ne le prend, je le garde pour le vendre, mais. Petit Seb, Nash, venez près de moi, il y a des munitions. Merci, tu es un saint, Tom. Ah, il y a pas de munitions sniper. Moi, désolé. Judas. Il y a plus de munitions de pistolet non plus. Pas de revolver. Bon. Hop. Parce qu'on va pas y passer la journée. Moi, je suis full, je peux plus rien ramasser de toute façon. Et j'ai rien dans mon sac à dos. Hein. Je me demande où était. C'est pour ça que je trouvais pas de loot. C'est parce que chaque fois. Je descends, je vais charger. Ouais, il disparaît. Ouais, et moi je vais devoir aller manger. Il me faut plus de munitions! Yeah! Bah, c'est pas, je suis coincé. Bon level. Ok, yes. Je vous propose de. Pour valider la mission. Je vous propose de retourner à l'entrée de la zone. Oui, allons-y. Ouais, du monde qui arrive! Ça va finir! Ouais! Niveau 8, ouais, c'est bon. J'ai amené des copains. Il y a un brutal en plus de ça. Il y a un brutal. Le brutal, je crois que c'est brutal. Le problème, c'est que ça il y a les autres qui ont essayé de l'attaquer. Il y en a deux qui viennent avec. Ah, je suis tué. J'ai essayé de taper le brutal, je l'ai bien amoché, mais c'est pas suffisant. Oh, ouais, mais je... C'est bon, c'est bon. C'est HP en plus. Ouais, merci. Merci. On est deux virés si on a réussi. Allez, c'est pas du tout par là, les gars. Ouais, oui, mais oui, mais tu vas tirer des mobs. Je rappelle qu'on m'a appelé pour mon. Faut que je quitte alors. Oui. On va y aller, ouais. On retourne à la zone. Et je commence vraiment à flipper là, j'aime pas du tout comment mon volet est en train de valdinguer. J'ai pas regardé les chiffres de la tempête, mais ils ont annoncé des vents combien. Je sais pas du tout, j'ai même pas regardé non plus les... la météo. Là j'ai l'impression d'avoir essuyé une rafale d'au moins 60 km/h. Comme ça là on est à l'entrée, on peut vendre ce qu'on a à vendre, se préparer, et puis on quitte tout, c'est comme ça on est prêt pour la prochaine fois. Ouais. Sinon reste une mission à faire ici donc. Oh, il est pas mal celui-là. Mais il est pas cher. 104 pistes. Bah ouais. Voilà. Mission pour revolver. Attendez, moi il faudrait que j'améliore quelque chose dans mon interface. Ce sera peut-être mieux ainsi. Ah, c'est pas idiot de faire ça. Si je fais ça, je pense que j'ai une meilleure config. Voilà, là je mets la tourelle. Et là je lance une grenade, d'accord. Encore un petit peu de gâchis, mais au moins j'ai mes touches qui sont... Elle est modeste la tourelle. Oh, elle dure pas longtemps, hein. Oh la vache. C'est vraiment un soutien éphémère. Prenez une trousse de secours. Voilà. Ça sert toujours.
Ok, c'est, je suis tout bien, tout bon, on peut déconnecter. Hop là, 8% de dégâts. Déconnectons. Je vous laisse déco en premier. Ouais. T'étais bien, merci. Oui, merci. C'était une bonne partie de Borderlands. Voilà. Mais maintenant, on sait comment lancer, on saura comment faire pour samedi prochain. C'était bien, c'était cool. Merci les copains. Pardon, hein, vous m'entendez barbouiller, c'est pas la top forme. C'est pour ça aussi que j'ai eu la flemme de mettre la caméra. En même temps, je diffuse que ce matin ou ce week-end. Là, c'est deux week-ends pauvres pour moi. Que le samedi matin. Du coup, t'arrêtes là, le sage ou... Oui, oui, oui. Tu voudrais me faire une suggestion de relais de chaîne, quelque chose? Je t'écoute, petit Seb. Non, j'ai personne. Ah. J'ai personne. J'ai pas regardé. C'était ça, savoir si toi, tu... Non, moi je vais aller me restaurer, je vais me renseigner sur la tempête parce que je commence à flipper. Et puis non, je vais avoir plaisir de profiter de la famille ce week-end, comme le week-end suivant d'ailleurs. Ce sera une autre branche de la famille. Alors, attendez, moi je regarde sur Twitch qui j'ai. Alors, il y a JJB qui est tout seul sur un Rise of the Ronin. Ah oui, il est tout seul, JJB. Moi, je vais faire mon relais de chaîne à JJBGM. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux faire une rapide pub pour lui. Attends. Oh là, qu'est-ce qui se passe? JJBGM. Touk. On va aller chez lui. Oh, il est tout seul, le pauvre. Bon, bah merci les copains. Bon app, bon week-end. Oui, bon appétit et bon week-end. Bon à tous. Bon week-end, bon appétit. À bientôt, au revoir. Merci. Et je fais vœu que la prochaine soit en meilleure forme parce que là je suis. Oh, c'est Mimi. Oula. Oula. Il y a des questions sur le. Sur mon Discord, va falloir que j'étudie. Oh mon dieu. Attendez, je vais programmer le relais de chaîne. Oh, il est adorable, JJB. Mais oui, allez-y, reste de chez lui. Eh ben, prenez soin de vous, les copains. Des bisous. Et moi, je vous dis, suite en Borderlands, samedi matin prochain. Ou là encore, ce sera la même formule. Je diffuserai que le samedi matin. Et vous ne me verrez pas le restant du week-end. Prenez soin de vous, bisous. Oui, c'est un peu la pauvreté, cette fin mars pour moi. Mais bon, on se retrouvera mieux en avril. Allez, ciao, Zoubi, les copains. J'aime bien, le mec qui sait pas gérer ses transitions. Ah mon dieu. Non, ne me dis pas qu'il accepte pas les relais de chaîne, JJB. Pourquoi mon interface, elle est truquée? Bah, c'est quoi ce délire? Bah. C'est du délire. C'est pourquoi ça marche pas? C'est cassé, Twitch? Oh, scandalous. Attendez, je vais passer par l'interface de... Voilà, là ce sera mieux. Ouh, 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 dur. Ouais, profitez bien des week-ends. À la prochaine. N'hésitez pas à me contacter, hein, je me fais toujours une joie de vous répondre. Allez, ciao, bisous. Nico, merci beaucoup le sage de Nancy pour le raid.